Ah, y a trop de choses, quoi. Y a trop de choses. Ouais, j'ai joué 4 heures, c'est tout ce que j'ai joué. Donc, il faut aller à Roof Rouge, dans le coin nord-ouest de la mer. Roof Rouge qui est, du coup, j'imagine tout en haut à gauche du jeu. J'ai beaucoup de choses, par contre, j'ai pas de bombes, ça m'énerve un peu. C'est quoi comme jeu? C'est un Zelda-like. Donc, on est sur un Zelda-like purement classique, ici. Nous contrôlons donc Tilia. Tilia qui est une jeune de la marine entre guillemets, apprentie chevalière entre guillemets des mers, un truc comme ça. Et son père qui est aussi chevalier, eh bien, a été poursuivre des pirates il y a 6 mois dans le jeu. Et le père a disparu. Donc Tilia, 6 mois plus tard, se dit je vais prendre la mer et chercher mon papa qui a disparu. Et donc on se retrouve sur un jeu comme ça, assez dynamique, avec des beaux graphismes hein, bien évidemment, qui font penser à Minish Cap un petit peu beaucoup, c'est vrai. Et tout ça c'est fait avec Solarus, hein. Ça c'est très impressionnant. Et hier j'ai commencé, alors mon avis sur le jeu, je l'avais déjà dit un petit peu hier, je le redis ici pour vous. Je trouve le jeu bien mieux que Blossom Tales, dans le sens où je trouve qu'il a vraiment une patte et une identité qui lui est propre. Et ça fait plaisir. Genre il a pas mis juste une grande fée ou un quart de cœur parce que ah, c'est comme Zelda, ta gueule. Là genre les réceptacles de cœur c'est des trucs de lumière qui sont trouvés dans des temples ou dans des ruines anciennes, c'est genre des pouvoirs anciens qu'elle prend et se lui donne de la vie. Genre, c'est plus logique déjà, on va dire. On a des pouvoirs, le bouclier! Ou bien... L'éclair! Ah non, l'éclair! Il n'y a pas d'ennemis là, donc ça a touché personne. Mais ouais, les graphes sont vraiment beaux. Les graphes sont vraiment beaux. Ils font plaisir et c'est des graphismes libres de droit, hein. C'est ça qui est formidable. Alors par contre, il y a certains petits bugs. Où ça, SAM quoi? SAM? Comment ça SAM? Au secours. Donc par contre, pour se donner de la vie, il faut manger. Voilà. C'est un peu Breath of the Wild finalement. Il y a un truc par contre que j'avais vu, il y a un petit bug que je me semblais que j'avais dit dans mon bêta test, vu que j'avais bêta test le jeu. Ah oui, ça me l'éclaire, mon Dieu! C'est que regardez, là j'ai deux arcs. En fait, il y a ce bug là que j'avais aussi hein, sur Tower of the Triforce à l'époque, je l'avais hein, et on me l'avait dit. Et je l'avais changé du coup, enfin j'avais fait des trucs pour Forgotten Legend, mais là il y a le bug. C'est quand même triste. Mais à part ça, il est vraiment bien. On a fait déjà 3-4 donjons, je pense, dans le jeu. Les donjons sont bien faits, ils sont bien designés. J'aime bien la façon dont ils sont faits. Il y a des clés, il y a des portes, il y a des voyages. Les donjons ont une ambiance. Ils ont. Bon, il n'y en a pas des qui sont plus focus sur des énigmes, plus focus sur de l'action. Surtout sur du donjon classique qu'on peut trouver, genre dans Link's Awakening ou les Oracles, par exemple. C'est surtout des donjons où tu as des clés, tu as des portes. C'est Lock and Keys, comme dirait monsieur de Boss Keys, finalement. Mais ça fait le taf, on va dire. Ils ont leur ambiance, ils ont leur identité. Le reproche que je pourrais leur faire au donjon à date, c'est qu'ils n'ont pas de carte. Donc il faut tous repérer dans le crâne. Et moi et mon crâne, c'est pas facile. Et du coup, ouais, hier, on était venu ici. On avait exploré beaucoup trop de choses d'un coup. Toute la partie forêt, là, j'avais tout tracé. Et je me retrouvais ici et je savais plus du tout quoi faire. C'est quand même très triste. Salut, toi. Et elle ne vend toujours pas de bombes, hein, c'est... Ça fait un petit peu triste. Combien coûte ce magnifique jeu? 20 $ canadiens. Il est sur Switch, ce qui est choquant, et il est également sur Steam. Sur Steam, il est un peu moins cher. Évidemment, Nintendo, un petit peu une petite part hein, financière pour Nintendo. Mais je l'ai pris sur Switch, il est sorti aujourd'hui sur Switch, donc vraiment... Enfin, il est sorti hier sur Switch, et c'est vraiment le plaisir. Donc là, si je voulais chicaner, je dirais que là, il n'y a pas de transition de monter l'escalier et qu'il n'y a pas d'effet sonore. Mais voilà, je veux chicaner, quoi, voilà. Bonjour, vieux man. Voie de vol pour arriver ici. Vous allez voir les Arbor Gates. Alors, par quoi la VF est un peu bizarre aussi. Il y a des termes qui sont anglo que... Ah, ok. Il y a des termes anglo qui sont là. Je sais pas trop ce qu'ils font là, mais... Et il y a du lore, hein. Le jeu a du lore. Je trouve par contre que le lore, je retiens pas les personnages. Mais c'est un lore étendu, quoi. Tu sens qu'il a pas juste copié une histoire de Zelda. Et ça fait plaisir. Rien ici?
principal, le jeu est plus beau que Pokémon Arceus. Non, je rigole, calmez-vous, c'était du troll, tout va bien. Et par contre, hier, on a vu que la Switch est vraiment incroyable, parce que le jeu s'est mis à ramer dans un donjon, comme pas possible. C'est la Switch, hein, la puissance de la Switch, bien sûr. Ça aurait été quitté, ça aurait été continué, il faudra corriger dans la patch. Quoi? Comment ça, l'inversion, sauvegarder... Je vois pas le problème, monsieur Sony Link. Ah ouais, quand tu meurs, oui, c'est vrai, quand tu meurs, le jeu te dit sauvegarder, quitter, alors que ça te fait continuer le jeu. C'est... Ça a fait bizarre au début, mais finalement, on s'y fait, quoi. Y a rien dans ce truc-là? Parce que ça sert à être beau, cette ville, c'est ça? Elle sert à être belle? Ça va, vous deux, là? Paul le cueilleur. Bonne nouvelle, je suis pas là pour ça, ou d'investir le cueilleur de pommes. Ah oui. Ah, il va falloir trouver 50 pommes. Le verger infesté de monstres. Ah bah voilà. 80 couronnes, bien sûr. C'est bon, il avait marqué, il n'y a pas moyen, Firmin. Tout va bien. J'aime pas qu'on te cache sur cette console. La Switch, la Switch. Bien sûr. Bah le menu fait un peu penser à Link to the Past. Bah cette partie là fait penser à Link to the Past. Mais ça, le quest log, il est incroyable. La carte, ouais, fait penser à Link to the Past aussi. Mais enfin, c'est un écran avec une carte, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais ça c'est les options un petit peu. Par contre, je comprends pas à quoi ça sert dialogue. Parce qu'il n'y a pas de doublage de voix. Donc je suis un peu troublé. Alors les commandes, regardez, c'est tout mignon. C'est tout mignon comment il a fait une petite Switch en dessin. Elle est vraiment belle. Par contre, la police d'écriture, je la reconnais, c'est la police d'écriture que t'as de base sur le Free Resource Pack de Solarus, donc moi ça me tilt un peu, parce que c'est vraiment la police de base, quoi. Genre dans mon jeu, c'est la police que t'as, hein, genre. Bon, bah du coup, il faut tuer des monstres, c'est ça? Ils sont où? Oh, un TP! Ah, ça c'est pratique. Alors ça, c'est le fast travel. Ça c'est le fast travel et ça c'est vraiment bien. Donc nous sommes à Souche de Lierre, qui est là-haut. Qui est lié, nous sommes déjà. Alors on peut annuler le fast travel, bravo, c'est mieux que faire une légende, youhou. Il y avait pas. Du coup, ils sont où tes monstres là, monsieur? Parce que moi et ma mémoire de mort. L'âge de Souche de Lierre, c'est village, je suppose. Des monstres en ville, le verger de Souchelière. Nettoie le verger. 3 monstres dans le verger. Quel verger? Y a-t-on 20 balles. 20 dollars canadiens. Donc j'imagine que ça doit être genre 14-15 euros. Il est où le verger? C'est vrai que c'est beau. C'est beau, hein, putain! D'où le verger? Il est où le verger? Qu'est-ce que c'est? Un vieux tombeau sur la pierre s'est estompé. Ah. Ça a sans aucun doute une importance. Un jour. Alors par contre c'est le jeu de la cueillette. Hein. Hop. Ah, dès qu'il y a du phare, moins de matériaux et tout, là je suis là. Hein, moi. T'inquiète. Oh, c'est les bois perdus. Oh, regardez ça! Petit bonhomme tronc. Heureusement ça va, je les défends, j'ai une épée très puissante. Des mojos. C'est vrai, il y a des pestes mojos dans le jeu, ce jeu contient des pestes mojos. Ce n'est pas une blague. Et le bestiaire est beau, je trouve que les monstres ils ont des têtes kawaii parfois. Rien à faire avec cet arbre là. Non, 14-15. Pas 74, 14, juste 14. Aïe! Faites donc bam. Éclair! Ah! You're terrifiant. Ah, je peux couper ça. Un secret. Au! Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette.
Oh, un temple. Ah, bah peut-être un réceptacle. Oui, voilà. Voilà. Un petit tombeau ancien. Bon, il était totalement gratuit ce réceptacle-là, mais pourquoi pas. Tu vas pas sur ce genre de graphes pour ton jeu. Moi, j'irais plus sur des graphes NES Game Boy, hein, comme je vous l'ai dit, Naiko. Hein. Mais peut-être que si un jour je fais une suite, lolzy, bah je pourrais peut-être faire des graphes comme plus performants. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas grand chose, il y a ma grosse tête qui cache tout comme d'habitude. Oh! C'est beau en tout cas. C'est beau en tout cas. Ah c'est beau hein! Ouais, je peux pas y aller par là. Lady peut t'aider pour les graphes. C'est vrai que Lady elle est très très forte en graphisme. Non mais je sais, les tilesets en tout cas, j'ai pu me débrouiller moi-même déjà pour l'instant. Donc, ok. C'est vrai qu'avoir une bombe j'aurais pu. Ah, je pourrais aller là. Hein. Mais je ne peux point. Je ne peux point aller là. Mais il est où ton verger? Au secours! On sait jamais où aller. Perdu man quoi. Il est où le verger? Le verger. Vous avez vu le verger vous? Yes les artworks. On peut quand même interagir avec vous. On peut un peu transpercer les décors, mais ça c'est des trucs de chicane man bien sûr. Hein. Mais bon c'est des trucs que pour Forgotten Legend on me dirait tout de suite ah oh, c'est dégueulasse, c'est de la merde, donc bon. Il est pas là le verger? Ah mais il est là le verger, qu'il est con! Con man! Non mais t'inquiète. Après l'avantage entre guillemets Naiko, vu que c'est un jeu qui sera genre sur éclair, qui sera du type bah Game Boy NES, les sprites sont pas compliqués, ça va ressembler beaucoup à Link de Link's Awakening, hein, les sprites, donc t'auras peut-être un Link, enfin le Link dans les quatre directions, la marche et un truc de effet, je fais ça quoi avec mon bras quoi, et au bout je ferai une épée, un grappin, un arc, bon c'est fini déjà, ça, c'était facile. Easy quest. Et il est parti où l'autre con? Merde! Je me doutais bien que c'était pas si simple. Alors par contre quand on se fait toucher, alors ça peut-être que AD va m'aider. On dirait Binding of Isaac quand on se fait toucher dans le jeu. Ça, c'est un truc qui m'a tilté assez vite. Écoutez bien. Écoutez bien quand on se fait toucher à Adenos. Ça me fait penser à Isaac. Ça me fait penser à Isaac, moi. C'était à combien? Aucune idée. Au pif. Merde, il y avait des matériaux. Parfait. Ah d'accord, il peut m'attaquer en dehors de l'écran. La roulade, il n'y aura pas de roulade, je suis plate. Je suis plate de même moi. Ok, je prends le trésor d'abord. Une armure, cool. Paul le cueilleur. Ça a l'air effrayé. Bah cool. Yes, j'ai eu de l'argent. Alors attention à la vie. Hein. Alors par contre, du coup, les morts, en fait, il y a un problème, entre guillemets. Hein. C'est que du coup avec cette histoire de vie, le son est pas trop bas du coup. Voilà. Alors par contre il y a un truc avec la Switch que je pourrais reprocher, c'est que au jeu il faut jouer au stick. Si tu joues avec la croix, vous voyez à quel point c'est archaïque. Parce qu'en fait dès que tu vas faire deux directions à la fois, genre opposées ou quoi, avec des gros doigts, bah ton personnage va s'arrêter. Du coup il vaut mieux jouer avec le joystick. Pour une fois, normalement un jeu soloiste il joue avec la croix, mais là c'est l'inverse. Du coup je pense que j'ai rien à foutre ici. F
fait, je voulais explorer un petit peu le sud de la forêt, là. Mais est-ce qu'on pourrait pas partir d'un autre... la vie, la mort, la mort, la mort et la vie. Ouais, Riva, c'est plein de trucs. Mais il n'y avait pas des trucs à la forêt à l'ouest là que je dois vérifier. Vas-y, vas-y. Ah bah tant mieux. Du coup là, en fait, le truc qui est un peu con, c'est que plutôt de se que de se so que de se soigner et de perdre mes précieuses ressources, hein, n'est-ce pas? Eh bien, je préfère mourir en fait, parce que mourir, finalement, ça va te, ouais, c'est quitte, sauvegarder, quitter, du coup. Mais ça, et ça va te donner avec plus, ça va te remettre plein de vie finalement. Donc autant te laisser mourir parfois. Ah oui, ils font des sports, j'avais oublié. Mais ils font des sports dont mal longtemps. Vous les dombas arrêter là d'être chiant. Mais j'ai pas de bombe, le jeu est con aussi. Le jeu me donne pas de bombe. Quel jeu dégueulasse. J'ai failli dire jeu de merde. Attention. J'ai failli être mépoli, être mal poli. Ah. Non, 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 je ne suis pas coincé. Non, non. Blockade. J'ai réussi. J'ai soft lock. Monsieur Max Raz! Max Raz! I soft locked! I soft locked, monsieur Max! Mort noyé, quoi. Le bois du mystère. L'éclair! D'accord, on se fait tabasser finalement. Est-ce qu'il y avait des choses dans ce bois, genre des champignons ou des trucs bizarres? Qu'est-ce que je devais faire dans cette ville-là? Enfin, dans les environs, tant qu'à être là. Plan de flèche ou force sablier, trouve quelqu'un capable de les confectionner. Fais ça, Nina, que tu as vaincu les petits péages pirates. Ah! Bah merde! Une pomme de pin. Cool. Les monstres, coin à champignons. Ok, donc coin à champignons et pomme de pin. Coin aux champignons, pomme de pin. Oh, mort! Ah bah déjà, j'ai trouvé. Ressort de la porte est piégé, j'y crois pas! Easy piège. Ah là là, l'enquête, hein. L'enquête continue, quoi. On est vraiment impliqué dans cette enquête à fond. Un inox. Oh, il donne des bombes! Oh my god, un miracle est arrivé! Ah, donc ils peuvent donner des bombes. Putain, j'ai des bombes, quoi. Il y a des pas là, suivons les pas là, suivons les pas là, remontons cette piste. Remontons cette piste. I can't wait. Nous aurons le fin mot de l'enquête. Quel est cet endroit? Pirate Man! Ok, d'accord. Placer les appâts, les golems d'algues approchés, il reste encore des appâts. Celui qui a placé les appâts au coin à champignons travaille pour un certain Michael. On va parler à la distillerie des Bochons. Aïe 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 aïe, il faut voyager quoi. Faut voyager quoi. Il y a des voyages quoi. Ok. Yop là. Retournons dans le bois du mystère. Chercher notre pomme de pin. Donc ici on pouvait mettre une bombe, hein, ça se voit. Vous l'aviez pas vu? Moi je l'ai vu. Ce qui est marrant, c'est que quand t'as joué à Zelda, enfin quand tu fais des jeux sur la rue, souvent que t'as joué à Zelda, bah tu connais les mécaniques finalement.
Pas de boomerang, c'est dommage, c'est bien triste. Oh. De l'argent. De l'argent. Du pain. C'est formidable ça. Alors attention, Sky a dit qu'il trouvait le jeu pas au fou hein, hier quand il est passé. Attention, hein. Sky et son jugement trop difficile. Faut pas lui dire. Mais merde, ah ça y est, je vais déjà bientôt mourir. Déjà. Mes précieuses ressources. J'ai. Sky est très difficile sur les jeux. C'est vrai. C'est vrai qu'il est difficile, le bougre. 50 balles. Là j'ai fait le coin. Ah c'est marrant, la porte du coin aux champignons elle est refermée du coup. Je peux la rouvrir. Donnez-moi des bombes. Oui. Oui. On va farmer des bombes, hein, j'en ai rien à foutre. C'est la seule façon d'avoir des bombes apparemment dans le jeu, vu qu'on ne peut pas en acheter ni en crafter. Moi je pensais que les bombes à crafter c'était ça, mais finalement non. Oh là là, oh il y a des choses. Il y a des choses. Oh, il y a un temple. Alors le temple, il m'intéresse. C'est grand, hein. Faut pas se perdre. Hein. Faut pas se perdre quand on s'appelle Sans dans l'orientation man. Là, c'est pas évident. Ok, c'est vraiment la forêt du silence, en tout cas. Elle a pas de... Au revoir le fantôme. La pomme de pain. Oh. L'endroit ferait limite peur. Et là, Screamer. Oh my god, une énigme. Je me demande c'est quoi la solution de l'énigme quand même. C'est bizarre qu'elle n'ait pas d'animation de marche quand elle le tire les machins. Grosse énigme. Oh ma vie quoi. Bientôt la mort quoi. J'ai pas envie de gaspiller mes trucs, hein. Je vous le dis. Je vais mourir. Le tombeau du dernier chef, mourons. J'espère qu'il n'y a pas de compteur de mort à la fin. Ok, bah c'est cool. Hein. Ah, c'est méchant ça, d'accord. Grosse info. Évidemment. Que nous cache ce donjon mystérieux? Un morceau de bois usé. Sigil, le dernier grand chef des guerriers ours. Sacré guerrier ours. Hein. Ah d'accord. Ok. Tant. Oh la vilaine erreur de mapping. Ah vous l'avez l'erreur de mapping là-dessous là? Je chicane bien sûr. Bon bah cool. Qui a remis les statues Qui a rangé les statues? Qui a osé faire ça? Bon bah c'est cool.
Ok, donc je pense que j'ai fait pas mal ce que je pouvais faire ici, mais il y a encore des trucs qui m'intriguent. Hein. Ça, c'est l'endroit où il y avait la bombe. Ça, j'ai pas exploré ces ruines-là, elles m'intéressent. Là, il y a un truc en haut à gauche aussi que j'ai envie de voir un petit peu de plus près. Faudrait que je passe par ici. J'ai pas été là. Oh là là, merde, merde, c'est grand, c'est grand! Je vais me perdre! I'm gonna me perdre! As usual! Ok. Est-ce qu'on a encore un ennemi trop fort? Oh mon dieu, oui! I remember of you. You were very, very strong. Éclair! Gay! Alors, attention parce que je pense qu'il fait mal. Hein. De mémoire, il faisait mal en tout cas. Et ben voilà. Petit sanctuaire. Bon, ça c'est fait. Je sais pas, c'est déjà le deuxième que je fais, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas. Est-ce qu'il ripop ou bien. Il reste mort et ça reste allumé. Ça doit être un truc bizarre, il doit y en avoir plusieurs. Donc ça c'est fait. Merde, j'ai pas pris les ressources qu'il y avait là, c'est pas mal grave. On n'est pas dans Book of Mudora, le jeu va pas te demander 99 machins qui traînent par terre, hein, n'est-ce pas, Book of Mudora? Des bombes? C'est chiant. Pas de bombes. Par contre, il fallait des bombes à d'autres endroits du jeu, là, donc ça peut toujours servir d'en avoir. Casser les ruches. Voilà, d'autres d'anciennes ruines. Ah! Éclair! Oh, il y a un ennemi. Merde, ça a visé la pique. Qu'il est con, le. Qu'il est con. Ces piques feraient limite penser à un autre jeu, mais je ne saurais dire lequel. La clé, évidemment. Oh! La lance! Portée plus grande que celle d'une épée. Oh ouais, la lance! Pouvez-vous en penser quoi de ma lance, hein? Elle est bien, ma lance. Pididididi. Bon, il fallait retourner à la distillerie de connard. Vous vous souvenez d'où elle était? Solarus et ses. Et ses terrains, un peu, et ses hitbox un petit peu. Voilà quoi. Ses terrains quoi. Ses terrains un peu compliqués à comprendre. Hein. Genre, tu nages sur du sol, tu tombes sur du sol, dans du sol. Enfin. Ça, on l'a assez dit. Hein. On me l'a assez dit quand on joue à mes jeux, en tout cas, ça. Mais c'est pas ma faute, c'est celle du moteur. C'est vrai que j'ai pas encore sorti cette phrase-là. Alors qu'elle serait de circonstance. Dès que je meurs, c'est la faute du moteur. N'est-ce pas, Lady? Bon, alors c'est où les trucs que je dois aller? Là, je sais plus, moi, c'est où que je devais aller. Je vais parler aux gens au pif et on va bien me donner un truc. Là, il y a une distillerie en tout cas. Est-ce que c'est là la distillerie? Voilà, un lieu à l'est du port de Tetabouk. On accède en traversant une grotte, un ravin où il pleut en permanence. Ok.
D'accord. Apparemment, c'était pas ici. Ah, les monstres. Quelqu'un avait placé des appâts pour les attirer. Michael, sans doute Michael, le majestueux hydromelliste. Tiens, une relève prétentieuse au marais austerne. Bah attends, c'est pas lui que j'ai aidé avant, là. Mais j'ai déjà fait, il y avait une quête où il lui fallait où il fallait des ruches d'abeilles, là. Putain, attends, en fait, on l'a aidé, mais c'était un connard. C'est terrible! Faut jamais faire confiance à personne. Cellule! T'es pas couché! Comment ça s'est passé, Age of Empire? Was it good? Et Renaiko. Et merci pour le sub. Ah non! Ah non! Bravo, Cellule! Bravo! Félicitations. On serait pas toi là? Ah ouais, t'as une tête de méchant, toi. Dominé grâce à Tarkou, bravo Tarkou. Il est un peu con. Vous êtes coupable! Ah d'accord. Il est mort! I killed him! Ok, du coup on va retourner voir l'autre. Après, je dis, j'ai fait un meurtre finalement. Retourne à Ebauchon, bah d'accord, cool. Salut toi. Tu géreras seul le machin là. Ça te va? Il semble pas être plus choqué que ça que son partenaire soit mort. Bon, du coup, on y retourne. Voilà, je mets 60 balles, quoi. Je vais m'attaquer, je lui donne une bonne raclée. Une bonne raclée, ouais, je l'ai tué. Ah, carrément. 110 balles! Formidable. Je peux pas forger mon... Non, j'ai pas mes trucs de corot, là. Ouais, j'en ai zéro, c'est dommage, triste. Ça c'est fait, du coup c'est un peu chiant que ça revienne en bas, mais ça me rappelle un peu Breath of the Wild, finalement, c'est pareil. Oh, il y en a tellement, des quêtes, au secours! Rapporte la pomme de pin à... Forge de Rivas pour l'armure, ok, la forge de Rivas. Et Nina. Où est Nina? Qui est Nina? Nina, Nina! C'est toi l'armure? Ah, 50 balles du coup. Ok, cool. Nina. Ah, ouais, bon, oh là là, oh là. Allô? Allô? Bon, il est où, Nina? Un bec de pierre. Oh mon dieu. Oh, il y avait un endroit où... Est-ce que vous vous souvenez, les dinosaures, hier, il y avait un endroit où il y avait une statue de hibou sans bec? Ou d'oiseau, en tout cas. Où était cette statue? Dans le monde entier, où était-elle? Où était-elle dans la map monde? Où était la statue? Je l'ai vue, hein. On est tombé sur une statue où il manquait un bec. C'est ça que je dis, c'est dommage, c'est ça que j'ai déjà dit hier, c'est que c'est dommage que sur la map, tu n'aies pas les points d'intérêt indiqués, ou que tu ne puisses pas mettre des marqueurs, genre. Parce que là, j'aurais vraiment mis un marqueur pour me dire, ah oui, c'était là. Parce que je trouve que, voilà, c'est... La carte est belle, mais je la trouve pas assez claire, forcément. Donc, voilà, des marqueurs, ce serait bien. Parce que là, de me rappeler à la main, c'est où que je dois aller, au secours, quoi. Un bec de pierre, découvre d'où il provient. Mais oui, mais mortel de merde. Et ça m'a donné une nouvelle quête du coup. Peine envie de crever. Tiens, c'est marrant, pourquoi cette quête terminée là est tout en haut alors que les autres sont tout en bas? Fais savoir à Nina que tu as vaincu l'équipage. Bah ouais, mais j'aimerais bien.
J'aimerais bien trouver Nina là. Et il est où là? Il y elle est où Nina là? C'est qui Nina? Nina! Qui t'es? Qui est Nina? C'est où est Nina? C'est ça. Ça c'est vers la forêt. Oh c'est grand, hein. Oh c'est grand quand même votre jeu là, hein. C'est quand même trop grand, hein. Quand c'est trop petit ça chiale, quand c'est trop grand ça chiale, on sait jamais ce qu'on veut. Hein. Ah quoi? Une vieille structure, comme ça, on va dire. Oui j'ai fait. J'ai une lance d'ailleurs, j'ai trouvé la lance les dinosaures. La lance que j'avais dans mon bêta test, je l'ai trouvée. Merci. C'est là? Alors non, ça je me souviens, c'est pas ça. Je ramasse des trucs en attendant. Non mais j'aurais bien aimé avoir un marqueur pour trouver où était Nina là en fait, parce que... Est-ce qu'il l'indique plus que ça? Nina de Rivas. Nina. Cool! Donc peut-être que finalement le jeu on va pas le finir si vite que ça. Hein. Je sais plus ce qu'il y a là. Ah mais c'est l'endroit pour la suite du jeu ça. C'est ça avec la meilleure musique du jeu. Prisma. Donc là il faut aller à l'ouest, hein, c'est sûr. Mais j'aimerais bien faire d'abord dans un souci de perfectionnisme, clean mes quêtes ici. Youhou! Trosser la pluie, ouais, t'as vu ça. Attends, merde. Je vais où? Merde! Attends, c'est pas là? Comment je retourne en arrière? Ah! Ma grosse tête. Nina! Il y a une personne à qui j'ai pas parlé, ça va être la bonne personne, tu vas voir. Attends, ce serait pas cette maison-là, là? Au pif. C'est toi? C'est Ricardo. Merde, il y a une autre quête! Quel enfer. J'ai acheté plein d'abeilles, j'ai acheté des frelons, ça a mal tourné dans un festival de la grange. Ah bah d'accord, cool, bah ça a l'air facile. Ah bah attends! Et voilà. C'est bon? T'as réussi! Yes! Par contre, il y a encore des abeilles, hein. Tu les laisseras tranquilles. Je vais bien te les laisser volontairement, là. Quoique non, ça me fait chier. Elles m'ont tué. Tué par... Oh non, j'ai utilisé ma potion! Oh, je peux améliorer mon épée maintenant! Oh là 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 là! Bon, en tout cas, ça me dit pas où est Nina, quoi. Là, Nina, peut-être? C'est toi, Nina? Oui! Oui! Voilà l'argent. Tout ça pour l'argent. 120 balles, allez, let's go. Toujours tout pour l'argent. Bon, c'est bon. Alors, les bombes, on sait pas quoi en faire. Le bec de pierre, bon. Je sais plus où était la statue en forme d'oiseau. Il y avait une statue d'oiseau, on l'a trouvée. On a trouvé une statue d'oiseau dans le jeu. Dans l'ensemble, le jeu est quand même joli. Oui, il est vraiment beau. Je dirais pas le contraire, clairement pas. Il a vraiment une patte. Bah, c'est une patte qui fait un peu penser à Minish Cap. Mine de rien. Mais elle est quand même très très jolie. Mais je ne sais pas qui le gars à qui le gars a demandé de faire les graphismes. Tue-moi. Hein. J'ai plus qu'un demi-cœur, là, c'est ridicule. C'est ça que les élixirs servent à rien parce qu'ils s'utilisent tout seuls et ils donnent que 3 cœurs de vie, c'est un peu misérable. Après je peux l'utiliser à la main, mais utiliser les choses à la main, vous m'avez déjà vu quoi. Vous pensez que moi je suis du genre à utiliser des trucs à la main quoi. On le verra dans les crédits, bah ouais c'est ça.
On le verra dans les crédits. Bon, bah, en tout cas, c'est pas ici qu'elle est la statue. Non! Ah, c'est bon. Allez, là-bas. Donc là, il y avait un endroit où il fallait utiliser une bombe. Hein. Donc là, je suis en train d'aller faire un putain de voyage juste pour un truc où on peut utiliser une bombe. Parce que j'y tiens. Donc le monde est grand, hein. Le monde est vraiment grand, ça ne déconne pas. Mais c'est grand, mais en même temps, en 4 heures, j'ai fait le tour, donc... Après, j'ai pas fait tout le monde non plus, hein, en 4 heures, rassurez-vous. Mais j'espère quand même que le jeu va pas se terminer en 6 heures, quoi. C'est juste ma petite prière, considérant qu'il est payant. Est-ce que c'est là? Is it the place? Ce n'est pas une statue, elle a un bec celle-là, en tout cas c'était pas une sorte de... c'était un truc bizarre. Ah! Salaud. Ah! Ah! Ah oui, donc là on dégage. Bah attends. Donc là il y avait un truc, il fallait utiliser une bombe. Exactement. Donc j'ai trouvé des bombes en tuant les Inox, Lady. Y a pas d'effet quand tu descends les escaliers? Je pensais qu'il y avait un effet quand tu descendais des escaliers dans le jeu. Voilà, deux upgrades et ça fait plaisir. Oh, t'en as donc ben beaucoup de la vie pour un petit slime de merde. Parce que je rappelle que quand même je tape à putain de 6, hein. Ah ouais, l'armure c'est 13, ah d'accord. Ah ouais, en effet, je perds juste un demi-cœur. Bon, j'ai fait cet endroit-là, voilà. J'espère que vous êtes heureux. Maintenant, on peut tout retourner en arrière. Tu vas créer des monstres aussi? Bah oui. Trouver... Mais le bestiaire, on n'y est pas encore, hein, Naiko. Le bestiaire... c'est encore loin. Mais j'aimerais faire un bestiaire qui est propre à chaque région du jeu, quand même. J'aimerais faire des monstres dans l'eau, dans le volcan, dans les cavernes, dans les plaines, enfin, voilà, quoi. Après, bon, voilà, j'aimerais quand même faire des monstres spécifiques. Mais après, je vais rester sur du classique, quand même. Je vais faire des slimes, des chauves-souris, des trucs de rocher, des trucs de glace, des trucs de poissons dans l'eau, enfin, je vais être classique, quoi. Je vais être très classique. Je vais faire des Oulas, bien sûr, les Ola, hein. Les fameux Ouras de Forgotten Legend, bien sûr. C'est par ici, hein. Alors les races, j'y pense pas encore tout de suite. Du coup, je vais aller à Tetabook, qui est la grosse ville, juste pour aller améliorer mon épée. Salut. L'épée. Voilà, maintenant je tape à 8. Et on ne va pas déconner. C'est terminé de déconner, là on arrête. Bonjour Sylvestre. Allô? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Vous l'entendez? Du rime? Est-ce qu'il est venu te voir, Lady? Est-ce qu'il a commandé de la nourriture à tes côtés et du coup il en demande ici? Y a pas de croquettes ici, y a rien, y a juste de l'informatique. Oh non. He's gonna devenir dingue. He's gonna casser the switch. He's gonna to... Non! Au secours, reviens, je mets... Sylvestre! Non! Au secours, Sylvestre! Laisse la switch tranquille! Laisse la switch tranquille, attention! Non! Non! Sors! Sors! Sors de là! Allez!
Salut illustre. Ah, bah sacré Sylvester. Hein. Human! Tiens. Tiens, Human. Tiens, Human. Regardez-le. Regardez-le. Et là, il va s'installer là. Il va rester là pendant. Il va rester là pendant. Il va rester là pendant 2 heures. Couche. Bravo. C'est le chat qui casse le stream. Non mais c'est pour YouTube, ça rapporte des vues. Ah merde, est-ce que j'ai fait un temps fort moi? Oh, je salue YouTube si jamais, j'avais oublié que t'existais. Je suis désolé hein. Donc on va considérer que j'ai fait la forêt. Enfin la forêt de Rivas, hein. Bien sûr. Bou YouTube, ah même merde. Attention, il vous voit, hein. Il y a le chat en bas là. Hein. Alors là, j'étais allé vraiment très très vite. Hein. Mais du coup, attends, est-ce que je pourrais faire ce truc là avec la, les switches de... Ouais, ça là, est-ce que je peux le faire maintenant que j'ai une bombe? Elle vient d'où, cette emote là, Lady? C'est de toi? C'est ton emote animé? Ah ouais. C'est fou. C'est fou, c'est vrai que vous pouvez, on peut faire des gifs animés maintenant sur, sur YouTube. Non, je voulais pas sauter avec. Non. Je refuse de perdre une bombe. Non mais ça fait longtemps que j'ai pu sauvegarder, non? Fais chier. Ils sont tellement rares les bombes. Qu'est-ce qu'on a devenu dingue. Je pensais que j'aurais pu lancer la bombe. Mais apparemment, ce n'est pas ça. Ce n'était pas la solution à l'énigme, professeur Layton. Ah mais attends. Formidable. Ça doit valoir tellement la peine de faire ça. Do not kill me. Encore plus de puissance quoi. Ah bien sûr. Puis lui. J'ai mis clic. C'est du con. Grim. Pour éviter qu'un accident se reproduise, je vais équiper ça. Tiens pour la peine. Prends-le. Oh là, il faut des bombes là. Non, j'ai qu'une seule bombe. Non. Je refuse. J'ai voulu m'être quitté, mais j'ai sauvegardé à la place. C'est assez amer quand même. C'est assez en haut, ça se peut. Ça se peut qu'il m'en dit à tes côtés maintenant. Mais c'est pas des OST que je vais retenir par exemple, c'est ce que j'avais dit. Mais attends, je suis déjà venu ici. On se perd. On sait pas s'orienter. On
sait pas s'orienter. Mais descend, espèce de... Tout va bien. Il faut de bombes, il faut de bombes là. Vieille, quoi. Ah non, pas l'endroit, non, non, pas ça. Hein. Je veux pas aller dans d'autres endroits bizarres là. Tiens, je vais dans le carrefour là. Regardez-le comme ils sont, regardez comme ils sont mignons. Regardez-les. Je vais pas soulever ces pierres là. Le détroit d'épines. Oh, des bombes. Ah non, non, je m'en fous. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Des bombes. Je vais farmer. Farmer comme un gros connard. Si jamais vous trouvez ça dégueulasse, bah... Faudra aller dire à monsieur Max Roise qu'il fallait faire qu'on pouvait acheter des bombes dans les magasins. Ils en donnent, ils m'ont donné deux fois des bombes. Je le sais. En vrai, peut-être qu'à d'autres inox, hein, vu qu'on est quand même dans... Des bombes. Mais pourtant, je fais des dégâts avec mon épée, ils sont donc bien solides. Je fais du dommage, hein. Attends. Ah, vu. Voilà, petit raccourci, là. Toujours servir un jour. Y'a quoi là? Que je meurs un peu? Oh, y'a une autre partie, oh, la forêt du mystère de mon cul. Mais je suis déjà venu ici. Attends, tu vas me dire que comme un gros connard, j'ai tout exploré et j'ai jamais été là à gauche? Je suis jamais allé là? Mais quel idiot. Mais ce Zelda me désespère. Hein. Alors ça, c'est un truc aussi qui me perturbe, c'est que les Switch... se redésactive quand on part. Alors que pourtant, ça prend littéralement... Pour avoir fait du Solarus, hein. Ça prend littéralement une ligne de code pour que le Switch y soit activé. Mais ce n'est pas fait. Donc c'est un truc qui me tilte un peu. Mais... rien de bien grave. Bonjour, toi. L'île d'Ophira, une lance spéciale. Du lore. Le lore de lore de lore. Si je trouve une lance à l'intérieur d'un moulin, je vous la montrerai. Mais j'ai une lance. C'est pas la bonne lance. Qu'est-ce que c'est triste. Dans un quoi? Dans un moulin? Pierre de rune. Ah, mais c'est une quête, vraiment? Bah attends, elle est où la quête de l'autre con là? C'est une quête principale? Pas du tout. Ah du coup les... Ah bah c'est bon là. Attends, elles sont où là? Mais il m'a pas donné de quête. Il ne donne pas de quête. Peut-être que c'est un truc qui sert à rien. J'en ai aucune idée. En tout cas, si on trouve une lance dans un moulin, vous me rappellerez que c'était ici. Je compte sur vous. Ma grosse tête. D'accord, c'est bien. Belle entrée. Pas rien. Ça va être un grand trou en tout cas. Oh, un Lamnolas! Check ça! Putain, ils sont mieux codés que dans Book of Mudora, j'y crois pas. Ah. Presque mieux codés que dans Book of Mudora. Myrte et Myrte, mes bombes! Faut que j'en garde au moins deux là. Les effets de lumière me font penser bah, à mon jeu, évidemment, à Forgotten Legend, hein, à Zelda 2, c'est à peu près la même chose, à peu près la même merde. J'ai plus qu'un demi-cœur, au secours. Ah mais la pause! Soignons-nous pour une fois.
Ouais, ils sont, en fait, ils sont codés et ils ont un comportement un peu étrange. Je ne le cacherai pas. Oh non, mais bordel, on va l'utiliser parce que voilà, mais... J'utilisais toutes mes bombes, quoi. Toutes mes putains de bombes, quoi. Je les ai utilisées, on va devoir retourner farmer, quoi. Attends, j'ai tout fait en fait. D'accord. J'ai vraiment l'impression qu'il va commencer à falloir des bombes pour ici. Mais comment on fait pour avoir des bombes? À moins de les trouver une fois sur 10 sur eux, là. À moins de faire ça, comment t'as des bombes? C'est ma question, quoi. Pas de bol, hein. Bili. Je me demande si c'est encore deux réceptacles entiers qui me manquent ou s'il y a une deuxième ligne de cœur. Ça, c'est ma grande question. Je sais pas combien de cœurs il y a sur une ligne d'ailleurs pour là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 11. On est à 11 cœurs. 11 cœurs pour l'instant. Donc peut-être 12, peut-être une ligne de 12. Ouais, maybe. En tout cas, ça fait beaucoup de cœurs. Je vais encore en farmer d'autres parce qu'on a l'air vraiment d'en avoir beaucoup besoin. Allez, va-t'en. Parce que sachant que je dois en utiliser deux. À côté, là. Aïe aïe aïe. Voilà, parfait. Bon, j'en ai 6, on va se considérer heureux. Hitchou! Il y a quoi ici? Que je panique un petit peu. Ah oui, ça c'est le passage qui menait ici. C'est beau en tout cas. Moi, je pense que j'ai plus qu'à aller à l'ouest là. Je crois que pour l'instant j'ai pas mal exploré, entre guillemets, pas tout du tout, mais. Au secours, ma grosse tête. Bon, qu'y a-t-il dans cette caverne? Ouh. Bombe d'éther. Ah, voilà, ça explose et ça gèle. Merci d'enfin me le dire. Ça, c'est bien. Choutou choupi, merci, merci. Merci, merci, merci. Et gay! Ah, on peut pas couper les herbes, par contre, c'est embêtant ça. L'éclair! Paf! Et y a quoi là? C'est étrange. Salut Pêcherman. Les menhirs, il faut pas les bouger, ils sont si vieux que personne ne sait qui les a placés. Creusant autour d'eux, j'ai trouvé une tablette de pierre. D'accord. Intéressant. Elle est où ta tablette? Une énigme. Une énigme. Une énigme. Paf! Bon, je pense que si j'interagis avec tous les menhirs, il va se passer un truc trop bien. Truc trop bien. D'accord, cool. J'ai de la puissance dans mon épée là, il faut que je sois encore plus fort. C'est ça qu'il faut faire, faut être encore plus fort pour pouvoir tuer les trucs. C'est quand même terrifiant.
Oh, il y a un truc là. Là, là, il y a un truc là. Je vais interagir. Ah, là, il y en a une. Cet endroit est intriguant. Le pouvoir et le pouvoir. Le pouvoir de l'éclair. Excusez-moi. Bah voilà. Ouh. Ah, peut-être qu'il faut que je retourne voir l'autre et que je prenne sa tablette du coup. Pour la mettre là. Je peux la prendre? Pas le droit. Pas le droit, il faut reparler à l'autre, c'est ça? Bah merde. Oh! Grosse énigme. Un réceptacle? Je te connais pas, mais tu me fais peur. Tout ça. D'accord. Je vais mourir. Ouais. J'avais un demi-cœur en même temps. Rendu là autant. Voilà. Oh mon dieu, un mimique! Mais c'est la caverne de Lord Ali. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Facile. Ta-da-da-da-da. Ah, en fait, on peut pas marcher dessus. Je voulais vérifier, hein, expérience scientifique. Bah c'était vraiment bien. Donc là, est-ce que je vais avoir une deuxième ligne de cœur qui va se former? Je suis curieux de voir si on a un pourcentage final à la fin du jeu. Genre un taux de complétion là pour le 100%, quoi. Beaucoup de questions qui se posent. Hein. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Attends, je pouvais aussi interagir avec celle-là. Oui, bravo Naiko, tu connais. Impressionnant. Impressionnant. Ok, on va y arriver. Port de Rouvruge. Oh. Et ça, c'est la ville, c'est ça? Ok. Ok, là on est, à mon avis, on est dans The Big City. Alors là, les quêtes, ça va pleuvoir, t'inquiète. Hein. Allons déjà au port. On a la petite statue ici, commémore. T'essaies de passer par là, quel est le mot de passe? Est-ce mot de passe 1, 2, 3, 4? Non, on a dû le changer. Si tu ne connais pas le mot de passe, tu ne laisserais pas passer.
Putain, cet humour, quoi. C'est vraiment, vraiment pas bon. Ah! Connard! Plus grande ville de la mer du Nord. La mer du Nord, comme en Belgique. On a une forge par ici. C'est pas une forge, ça? La boutique du port. Mais excuse-moi d'avoir cru que c'était une forge, hein, vu le logo sur la porte. Les tunnels souterrains. Oh non, oh non, ça va être un cauchemar. Oh, ça va être un cauchemar. Palais du maire, ruisseau, bibliothèque. J'ai arrêté mon bêta test avant d'arriver à Rofruge. Donc là, ça va être de la découverte vraiment totale, totale, quoi, à partir de là. Et j'avais, il me souvient que j'avais, je me souviens que j'avais plus de trucs dans mon bêta test que là. Ah, ce port, il est beau. Ah, d'accord. C'est juste qu'il a fait une boulette. Une de bloc. Une énigme de bloc. Ça va, elles sont faciles celles-là. Yes. J'en ai trois, je peux améliorer trois fois mon épée. Quel bonheur. Alors, et lui, je peux ne, il ne me traverse pas, lui. Alors, tu vas aller où avec ta boîte là? Hein? Hein, tu vas aller où? Hein, tu iras nulle part avec ta boîte là. Salaud! Sale bully. Je suis un bully, moi. Alors lui, c'est le gars des reventes. Formidable. Il y a quand même des trucs qu'on ne connaît pas. Hein. Ah, on peut se faire du pognon. Ah, et du coup, c'est la façon d'avoir de l'argent dans le jeu, c'est la revente, finalement. Ah, elle est là! Parfait, elle est là. Bon. Cool. Alors j'ai tout vu. J'ai vu une entrée là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce là, est-ce le terrain de combat créature de palier, vous devez voir partout. Le tournoi des bêtes. Le niveau 1. Retourner au centre de l'arène, puis on enverra la manche suivante. Ok, cool. Pas d'autres règles. Ok, cool. Ça y est, on va aller, on va enchaîner les monstres. C'est parti. Évidemment, l'éclair qui pile, qui tue juste ceux qui sont moins forts. Hein. C'est tout. J'aurais dû améliorer mon arc avant de venir ici. Enfin, mon épée. Qu'est-ce que c'est que ces gros trucs? Petit crapaud man! Des inox. Des bombes! Ouais, le bouclier là. Paf! Ah oui, eux et elle, il faut lui renvoyer. C'est le premier boss du jeu, ça d'ailleurs. Hein. Finalement, ça va comme combat. Du pognon, quoi. Formidable. Bien! Donc là, on peut faire les trois niveaux de machin si on veut. On peut s'amuser. Je vais d'abord améliorer mon épée si ça vous dérange pas.
naviguer vers l'île de Phikonos, bien sûr. Ah, un monstre. Bah là, et là, on peut faire des escaliers comme il faut. Ah, j'ai vraiment l'impression. Ça n'a pas l'air de bien marcher. Ah, on a vraiment l'impression d'être attaqué, c'est vraiment fou. Ça les a fait fuir, ok. Où est parti ce capitaine? A l'air louche. Où est passé tout mon équipement, même mon épée? Oh non, l'île finaliste! Ah mais ça va, il a gardé, j'ai gardé tous mes trucs de loot. L'île Finalis. Ok, cool. Est-ce que j'ai gardé mon... Ah, je n'ai plus mes bracelets de force, quoi. C'est l'île Finalis, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il a l'air très très beau. Coin nord-ouest. Coin nord-ouest de la ville. Oh, regardez comme c'est beau! Salut Zazu! Moi bon, on m'a dit au nord-ouest. Hein. C'est l'auberge. Comment tu vas Zazu? Zazu! C'est beau comme ville. Ça va? Des esprits de terre. Pirates ont perturbé les lieux sacrés, ouais. Bien sûr que si. Entrer dans le tombeau et combattre le fantôme de la sorcière. Cool. Ah, prends cette épée. Comme par hasard. Ah bah ça va, mon épée fait 8. Ah bah c'est la même épée finalement, elle a le même sprite. Tout va bien. Pi les bébés. Merde, il faut vraiment que je paye une nuit là. Allez, vas-y. Yes. Au moins, ça soigne tout, quoi. Ok, tant qu'à être là, il fait quelque chose là-dessous, là. Eh oui! Des pains de gland. La complétionnite, hein, vous savez. Voilà.
Non, c'est vraiment joli comme ville. Là, on est vraiment sur un décor qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le décor. Ces monstres font donc bien peur. Ma grosse tête, elle cache tout. Donc j'imagine que je vais trouver mes bracelets de force. Ou autre chose. Mon arc, peut-être avant. Au secours. On va essayer de pas trop bouger ces trucs-là. Hein. Si ça vous dérange pas. Donc on n'est pas sur la carte, hein. Oh, au secours. Au secours! Ah, on peut plus interagir avec celle-là. Pas la même que tout à l'heure, là. On est dessus. Dans quelle quête me suis-je encore embarqué? J'ai l'armure. Ah bah d'accord. C'est pas du tout un truc pour la suite du pour la quête. Mais pas grave. J'aurais dû améliorer mon épée avant de venir ici. Il y a peut-être une forge dans la ville. Ce serait vraiment fou. Oh merde. Je peux pas interagir avec les machins. Je peux pas interagir avec les machins. Comment je fais pour aller là-dedans, moi? C'est donc bien terrible. Je peux pas interagir avec ça. Taper dessus? Non. Terrible. Commence à faire sombre ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ma grosse tête qui cache, je sais pas c'est quoi que ça cachait, mais en tout cas, ma grosse tête quoi. D'accord. Il y a un coffre là. J'ai tout vu! J'ai tout vu, tu me la feras pas! Bon, là j'ai un problème. Ah, y a un problème. Il faut que je réussisse à rentrer dans ce bâtiment, dans le bâtiment bizarre, mais je sais pas du tout comment on fait. À moins qu'il y ait autre chose dans la ville. Peut-être que j'explore pas, j'ai pas exploré assez encore. Mais oh, vous voulez bien arrêter de me harceler, c'est où? Ah, ça je l'avais pas vu. Une énigme. Une autre énigme de bloc. Une vraie... Oh non, c'est une vraie énigme de bloc en plus. Oh, et... Là, c'est une vraie. Là, c'est une vraie énigme de bloc, quoi. Ok, presque 2 heures. Mais GG. Non, non, mais t'inquiète. Pas de problème, Naiko. Pas de problème. Merci à toi d'être passé. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Un bon dodo à toi. S'il te plaît.
Cette ligne de bloc était vraiment très compliquée. Okay, je vais quand même me soigner parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive une bêtise là. Voilà. Un blob géant! La technique du bourrinage, bien sûr. Mais non, mais bordel! Mais je veux avoir mes items d'équipement pour pouvoir progresser dans ce style, pas avoir un réceptacle. Ah, j'ai pas eu de deuxième ligne encore! C'est dingue. Bonne nuit, Neko! C'est vrai que ça fait des jobs. Ouais. Le temps passe vite quand on joue à un jeu de mort. Je commencerai presque à prendre du plaisir. Faut faire attention, il faut que ça s'arrête ça. Ouais, donc l'or. Non! Non, je voulais pas! Oh, j'ai appuyé sur B pourtant. Il est con. Il est con le jeu aussi. Sniff, bah où aller quoi? Parce que c'est un peu embêtant d'être bloqué genre ici. Parce que là, c'est un truc que je peux plus sortir. Je suis genre coincé quoi. Donc là, ça prend le bracelet de force. Là, à gauche, je sais pas c'est quoi, et à droite, ça prend les bombes, apparemment. Ou des bombes. Et là, ça prenait un arc, ou je ne sais quoi d'autre, dans cet endroit-là. Peut-être qu'il y avait une énigme, ou un truc comme ça, mais en tout cas, on peut pas passer ici. Peut-être qu'il faut juste que je tue tout le monde, hein. Non, pas du tout. Ideka. IDK. Après, il y a peut-être d'autres choses dans la ville que j'ai pas bien vu. Mais bon, il m'a bien dit d'explorer l'île et de finir par trouver mon bonheur. Le petit bonheur, quoi. Oh, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Donc là, il me faut des bombes. Ça, c'est ouais, ça. Ça, c'est les trucs de bombes. Ah ouais, donc il y a l'air d'avoir des trucs par ici. Ah, mais attends. J'ai tout vu. Attends, j'ai pas été là, moi? Mais oui, ma grosse tête. Ma grosse tête. Super, je suis quand même content, là. Je suis quand même heureux, moi. Quelque chose me dit que c'est à gauche, hein. Mon petit doigt, mon instinct me dit que c'est à gauche qu'il y a un truc à faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à gauche? C'est le problème, quoi. Il y a des pierres avec des insignes dessus, mais je peux rien faire avec. C'est pas comme celle du champ, là, de tout à l'heure. Ça a pas l'air d'être la même chose. Je les prends, hein, ces machins-là. Pas m'en plaindre. Oui, là. Là, il y a un truc à faire. Là. Il y a peut-être un switch caché sous les herbes là. Ça peut être genre parfois con, hein, tu sais. Ah ah, vu. Ouais, ça prend mon arc aussi, ça. Bah merde, alors. Il m'a donné juste une épée. Hein. Ça prend mon arc, ça, là. Donc ça prendrait l'arc, ça aussi. Ça me fait quand même un petit peu peur tout ça. Faudrait peut-être que juste que je tue tout le monde. S'il vous plaît, mourrez. Peut-être que le gars il a un indice pour moi si jamais je vais le voir. En mode tu es perdu, ne t'en fais pas, je peux t'aider. C'est pas un jeu casual friendly en tout cas, hein, j'ai l'impression.
Donc là, il n'y a rien d'autre à faire ici. Non, ces grottes-là, je les ai faites. Non, donc à mon avis, soit dans la ville, il y a un truc, soit il y a un coin que j'ai pas trouvé encore. C'est terrible tout ça. Il n'y a pas une carte de l'île? Ouais, je suis nulle part, quoi. Sauvegarde pour fêter ça. Peut-être que je peux rentrer dans des maisons, juste. Sacré tournesol. Statue d'oiseau. 104 ans sous ces deux statues côte à côte. Le sol semble creux. Ah, l'indice. Merci, vieux man. Deux statues côte à côte. Ce n'est pas très réaliste, mais... Je m'en contenterai. Non, bordel, les mains, elles ont... Elles ont cancel au moment de la statue. Arrête, va-t'en. Voilà, merci. Gros secret, quoi. Voilà. Mais bordel, mais c'est pas ça! À chaque fois, je cherche la suite et je tombe sur de la merde. C'est comme terrible. Enfin, en entrant dans ton beau. Explorant l'île, trouvera quelque chose, sur le temps d'accéder. Peut-être une partie de ton équipement. Peut-être. Voilà, donc il sous-entend clairement que j'ai trouvé des parties d'équipement. Mais j'ai pas trouvé de partie d'équipement. J'ai trouvé que des trucs de quête. C'est bien beau. C'est-à-dire que j'ai trouvé tous les secrets, mais le truc flag, je l'ai pas trouvé. Ah, mais. Si c'est ça, j'ai un petit peu le regretter quand même. Ah, si c'est là la suite, alors qu'elle était bien flag aussi. Ah, je m'en voudrais. Je m'en voudrais un petit peu quand même, je vais vous l'avouer. Oh, ça continue et ça continue, hein. Les oranges, quoi. Vive les oranges. Ah d'accord, un petit verger. Petit verger d'orange, bah c'est bien cool, ça servira peut-être un jour. Hein. Si jamais un jour il faut aller à un verger d'orange, vous retenez cet endroit-là. Hein. Souvenez-vous-en, hein, par pitié. Donc là, ça prenait l'épée, ok. Donc là, mon instinct de game designer me dit que c'est la suite du jeu. Au revoir. Je vais mourir. Hein. Spoiler. Petite roche. Ma grosse tête. Ma grosse tête. Ma grosse tête. Des bougies de sel, super. Je m'en servirai jamais de ces trucs-là, hein, je pense. Mais c'est pas grave. Hein. À l'usure, quoi. À l'usure, on finit forcément par crever. Ça me ramène là. C'est vraiment à chaque changement d'écran qui sauvegarde, c'est fou. Salut toi. Que tu t'es perdu? Quoi, des monstres de spécialité? Aïe 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 aïe. Petite quête, quoi. Petit sac à dos, man. T'en as de la vie? Ouais, je pense qu'on va l'upgrade l'épée vraiment en priorité. Hein. Mon sac à dos. Ouais, j'avais remarqué que c'était son sac à dos. Merci. La musique, elle est vraiment incroyable. Hein. Il m'a donné des bombes. C'est une sans botte pour aller pousser ou le soulever. Ce sera assez forte.
Je vends les bombes à la boutique! Oh! Oh oui! 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 C'était... Bon bah on pourra pas aller acheter des bombes, il s'est suicidé. Non, I can soulever. Bon bah du coup les bombes, je sais où il faut aller. J'ai vu. I remember. Oh là là, il faut soulever. Si on a besoin, il vend des bombes. Et vu qu'il y a des ressources et tout, on peut revendre et tout, donc on n'est pas bloqué quoi. Il n'y a pas de softlocked. Des bombes d'éther. C'est cool, mais j'en avais déjà. Arrête de misclic! Arrête de misclic! En même temps que l'idée de faire la... de faire le bouton X aussi proche du bouton plus, bordel! Maudit japonais avec leurs petites mains! Évidemment. Ça passe crème. Ah oui, c'était à droite du champ de tournesol. C'est bon. Tiens, je vais les mettre sur Y. Comme ça, si jamais je me rate, je pourrais vraiment pas dire que c'est de la faute du jeu, quoi. Cool. Ça va, vous, sinon? Haha, vous ne pouvez point passer. Vous êtes un petit peu débile. D'accord. Yes, encore des bombes. Décidément, là, le jeu... Il t'en donne des bombes, t'inquiète. Hein. Là, le jeu, il t'en donne des bombes. Je vais allumer. Regardez, je reviens. Attendez, est-ce que le fil se rend? Eh! Non. On va être dans la lumière, quoi. On va être mieux dans la lumière. Vous pensez pas qu'on est mieux dans la lumière, là? Que dans le noir? Ça change l'ambiance. Non mais... D'accord. Et donc je dois attendre qu'il attaque, c'est technique. Pour pouvoir l'attaquer dans le dos. C'est magnifique. Donc ils ont perturbé des fantômes parce que c'est les pirates encore. Les pirates sont vraiment les méchants. Hein. Oh il a un boomerang! Boomerang man! Que vous pensez que je vais avoir un boomerang? Ça n'a pas marché. Mon plan tombe à l'eau. Facile. Et j'ai l'arc! Ah oui, ça ne marche vraiment pas. Cool, donc là j'ai trouvé mon arc. Maintenant je peux revenir par ici, qui ne sert à rien. Et maintenant je peux aller à gauche du champ de tournesol. Finalement, on récupère son équipement, tout va bien. Aïe. I'm gonna die. Pas comme ça. Ça va ouvrir là. Et là, je vais avoir mon bracelet de force. Ils sont vraiment impressionnants, ils font peur.
Ne n'éclate pas la... Merci. Ridicule. Vraiment facile. Et voilà. Le bracelet de force. Bon, finalement, ça va. En fait, il fallait trouver le truc d'où partir. Hein. Évidemment, j'ai, comme je suis talentueux, j'ai tout exploré, sauf le truc qu'il fallait en... J'ai fait le truc qu'il fallait en dernier. Comme ça, on a bien fait le plus longtemps possible. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais à part ça, tout va bien. J'ai de nouveau plus de vie, mais ça descend tellement vite, ces PV, c'est incroyable. Ouais, ils sont beaux. Je vais te faire des tournesols dans une région du jeu, Lady, pour toi. Je vais l'appeler le champ de Lady Noza. Tu seras un personnage. Tu auras ton champ. Yay! Oh. La lance tournesol. Ah, mais c'est ça, c'est la lance dans le moulin. Est-ce qu'elle allume? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends, est-ce que... Oh, je peux pas brûler les tournesols. Est-ce qu'elle utilise de la magie? Pas du tout. C'est extraordinaire. Bon bah du coup je vais... J'ai trouvé ma lance dans un moulin, je vais pouvoir aller voir Vieux Man qui se trouvait dans... Souvenez-vous d'où il était, le vieux qui voulait une lance de feu là? Enfin une lance dans le moulin, vous vous rappelez il était où le vieux? Aïe. Puis je vais également aller ici. Pour trouver ce corail qui traînait par terre. Ah l'épée... Je pense que je vais devenir le guerrier le plus puissant du monde. Je pense qu'on va se suicider quand on va arriver au sanctuaire du machin chouette. Petit escargot! Bah c'est bon, on a fini. Elle était sympa cette quête. Elle était vraiment sympathique. Franchement, mais les quêtes du jeu, enfin, t'en as certaines, ça se fait assez, voilà, quand t'en as certaines, c'est assez basique, finalement. Genre, va tuer X monstre et c'est fini, mais t'en as d'autres, elles sont recherchées. Celle de la guilde des marchands avec le choix à la fin, elle était recherchée. Celle-là, elle est vraiment très très bien. Celle avec Nina, là, que j'ai jamais trouvé, finalement, enfin, que j'ai dû galérer à trouver, était comme sympathique, vu qu'il y avait plusieurs étapes, c'était long. Ah, et donc, ça me prend la lance. Donc, c'est comme si j'avais pas le choix de l'avoir, quoi. Would like to die! Merci. C'est mon épée! Suscite-toi, c'est bon. Voilà. Suscite-toi. Gros combat. Hein. Je vais gagner plus de vie, voilà. C'est mon épée! Le gars est méchant! Je peux avoir mon épée sinon? Je peux ne pas récupérer mon épée? Oh mon dieu! C'est Barbe Noire, c'est le boss final! Est-ce que c'était la quête principale finalement? Le ressort était aussi au courant. D'accord, le lore, hein, le lore. Hein. Prends soin de toi, petite. Ça va, il est quand même gentil comme, comme méchant final. J'aime bien comment il fait un grand détour. Il est Covid-friendly. Hein. C'est terrible, il y a un spot de lumière qui vient de rien. Ah d'accord. Je peux plus rouvrir la porte. C'est fini. Fini. Bon bah du coup le ferry va pouvoir repartir. Et on ressort avec moult équipements. Et ça c'est vraiment formidable. Retournons voir
monsieur l'ancien. Vraiment, cette partie-là, dans cette île-là, était vraiment sympa. C'était vraiment sympathique comme quête. Ça, c'est de la belle quête. Ça, c'est de la belle quête. Vraiment, c'est mieux qu'une quête FedEx. Du coup, il me donne pas de récompense pour avoir chassé les fantômes. Quel connard. Enfin bon, on a pillé leur lance sacrée, quoi. Donc le ferry, il repart. Et du coup, c'était qui le capitaine qui voulait... Aucune idée. Prendre le ferry, prenez un billet. Prenez-en autant que vous voulez. Les billets sont gratuits parce que tu es cool. Ça va, toi? Non. Ah d'accord, c'est pour... Alors, il me semble que lui, le sprite, là, c'est monsieur Max Mraz en personne, lui. Il me semble que c'est son propre sprite du jeu. Il me semble que c'est son propre personnage. Voilà, monsieur Max, il est là. Je pense que c'est lui. J'en suis pas certain, mais je pense que c'est lui. Il n'y a pas une forge dans cette ville-là? Enfin, allons voir d'abord le gars qui voulait... Il ressemble à... Au secours. Voyons voir le gars qui voulait... Qui voulait sa lance de feu, là. Est-ce que tu m'as... Est-ce que je peux voyager quelque part? Il est où le fast travel dans cette région-là? Elle est où la voyageuse... Putain, j'espère que c'est pas Banjo-Kazooie et qu'il n'y a pas un quiz à la fin du jeu. Sinon, je suis dans la merde. C'est où? Souvenez de c'était où, vous? Pidio! Arrivas? Oh merde! C'était pas là? Au nord, là? Non, ah si, là! Mais ça me surprend que c'était pas une quête notée dans le log de quête, ça. Ouais. J'ai trouvé cette lance, vous avez vu juste, mon vieux. Pourrais-je avoir un instant pour prouver que mon exil en vaut la peine? Il n'y a pas de E à exil. C'est pas grave. Enfin, si, ça peut être grave, mais. Symbole antique. Putain, c'est nettoyé. Elle proposera davantage de feu. Ah bah parfait. Une upgrade! C'était une quête, ça? Elle était-tu dans le log de quête, celle-là? Elle était pas dans le log de... You... No, you... you... Oh. Elle n'était pas dans le log de quête, c'est assez terrible. Hein. Elle n'était pas dans le log de quête, celle-là, donc fallait vraiment que je m'en rappelle. Bon, allez. J'aimerais bien trouver un endroit pour upgrade mon épée et devenir l'homme le plus puissant de la Terre. Avec tout mon argent. Enfin, la femme. Bien évidemment, la femme, pardon. Pilion. Je pense qu'il nous reste encore une ville peut-être à trouver. Après on aura fait toute la map. Allez. Un petit peu l'arc quand même, parce qu'on pense parfois à l'arc dans sa vie. Et ben voilà, 10 d'épées. J'en ai encore 2. Je doute qu'on puisse faire mieux que ça. Merde. L'arc alors. Genre j'ai l'épée la plus puissante du jeu. Oh là là.
C'est le port de chaîne que je veux aller. Il y a l'air d'avoir un immense pont à gauche. Allez, pour fêter ça. Allons ici. Donc maintenant on peut acheter autant de mots qu'on veut. Hein. Mais c'était une quête annexe, hein. Fallait le vouloir. Hein. Pididia, dada, niveau 2. Merde, j'ai pas beaucoup de vie. Oh, ça devrait aller, j'ai des restaurations là. Faut pas déconner. Ya, ça commence bien. En vrai, je pourrais vraiment jouer le gros lâche. Et juste attendre que ça recharge à la fin de chaque manche pour rebalancer mon éclair dès le début de la manche suivante, quoi. En mode gros connard, quoi. Venez, faites des petits paquets, là. Ouais, c'est ça. En fait, je veux juste attendre là que la jauge de magie recharge. Alors déjà, attends. Et quand elle est chargée, je retourne au milieu, ça m'envoie les monstres suivants, je regarde ce que c'est, et paf, je balance mon éclair. Easy one, quoi. Easy mini-game. Non mais s'il te plaît. Oh, j'en ai eu 5 d'un coup, c'est extraordinaire. Genre là, j'attends que ça charge, quoi. Telle une sombre merde. Ah Pas fini. Ah oh bah si. Waouh. Double élixir. Et moult argent. C'est vraiment formidable tout ça. Allez, le niveau 3, c'est bon. C'est vraiment facile. Et là, le niveau 3, il est super dur, il est deux fois plus long. Et on meurt tous. A chaque fois, je vais faire le plus grand détour possible. Hein. Je vais jamais... Bordel, attends. A chaque fois, j'ai l'impression de faire le tour le plus long. Entre la sauvegarde et mon machin. Ouais, non. C'est bon, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai l'épée maximale, là. Ça veut dire qu'ils ont 30 PV? Ouais, quand même. Pas des merdes, quoi. Oh, des lames Nolas! Alors, faut toucher la tête en... Faut tuer la tête en premier. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait tuer la tête en premier. Et paf! Ça peut très mal finir tout ça. Ils ont 50 PV apparemment. Ça fait beaucoup de PV. Si j'inflige 10. Non mais l'éclair, l'éclair! Paf! Mon dieu, c'est un gardien à fléau. Quelle est cette chose? Tombe dans l'eau. Bravo. Finalement, les faire tomber dans l'eau, c'est ce qu'il y a de plus simple. Merde, mon truc est pas chargé, quel con. Qu'il est con, Zeldo, Zeldo. On morfle un petit peu, mais ça va, on s'en sort. Enfin, on essaye en tout cas. Graine rapide, courra plus rapidement. Oh, ça c'est bien. Courir plus vite. Courir plus vite. Bah voilà, j'ai tout. C'était super, hein. N'est-ce pas? C'est impressionnant. Je m'attendais à plus que ça comme récompense finale, mais je m'attendais genre un réceptacle ou un truc comme ça, quoi. Ou un corail. C'est un peu triste, quoi. Bon, allons dans la grande ville, là.
C'est triste. Ouais, c'est triste un petit peu. Hey! Servio, quoi. Il s'appelle pas cerveau, hein. Attention. Une brune. Nouachette! Elle achète du poisson au marché. Quoi? Nouachette! Le vendeur de poisson, vite! Cherche mon amie Noisette. Elle est arrivée en ville il y a un moment, elle fait ses courses ici, elle séjourne à l'auberge. Tranquille! Ça te tentait pas de retourner à calcaire, Noisette? Ça te tentait pas, non? Il y a un port juste en dessous, s'il te plaît. Elle est en ville seule, bah évidemment, hein, comme par hasard. Coin nord-ouest. Cool. Et là, tu vas voir, elle va plus être dedans. Ce serait vraiment trop facile. Oh! Nord-ouest. Ne pas devenir fou. Nord-ouest! Ah, moi on m'a dit nord-ouest, hein. Ah, moi on m'a dit nord-ouest, hein. C'est la bibliothèque, ça. Moi on m'a dit nord-ouest, hein. Ah, moi. Voilà. En empruntant un tunnel à Rouvgrig. C'est pas grave. Il y a quelques fautes de frappe dans la version française du jeu quand même. Je conseille au traducteur de relire ces lignes de temps en temps, surtout pour un jeu commercialisé en fait. Un fan game, ça me dérange pas, mais jeu commercialisé. Si ça y en a juste une ou deux, ça me dérange pas. Mais là, ça commence à devenir un petit peu plus critique, on va dire. N'est-ce pas? C'est bon, on l'a trouvé. Mon ami nous achète. Elle n'est pas là pour le moment. Évidemment, formidable. D'accord. Mais ça me coûte tant à la bibliothèque. Oh. Bah merde, ça se trouve, j'aurais pu y aller tout de suite, quoi. Les atlas. D'accord. Bon, je pense qu'on a appris qu'elle était à la bibliothèque, quoi, ou qu'elle voulait. Peut-être qu'elle apprend le lore du jeu, finalement. La musique est bien. Hein. C'est vrai que, franchement. Noachette! Noachette! Ah oui, donc ça c'est le truc du mode hard quoi. C'est toi Noisette? Pas du tout. Noisette! Noisette? D'accord. Oh, ce lore quoi. Ce lore.
Ah, le lore, quoi. Le lore, hein. Attends. C'est jamais hein, qu'on peut aller derrière cette bibliothèque-là. Tu sais, on peut aller derrière là, donc je préférais ne vérifier. Noachette, ma grosse tête. Mais sa bibliothèque est tout sauf sauf Patrick, sauf pratique. Ah ah! Acheter des légumes pour le dîner, rechercher sur les bijoux de Muria. Cueillir de la menthe, rencontrer les cambrioleurs au port de Refruge. Près du port. Attends, on va peut-être enfin pouvoir la rencontrer, quoi. C'était vraiment super cet endroit. Bon, allez. Après moult voyages et moult allers-retours. Attends. New 8. Je disais bien qu'il y avait un truc suspect là-dedans. Oh, quel est cet endroit? Oh, c'est pas ça les souterrains sous la ville? Envie de mourir. Attends. Merde. Super. Pour améliorer mon arc. Maintenant j'ai l'épée maximale, je m'en fous de ces trucs là, hein, vous savez. Alors, quelque chose me dit en fait qu'il y a plusieurs trucs qui descendent à cet endroit là. Du coup, ça s'annonce être une grande nouvelle. Comment je fais pour monter? Par là? Ah d'accord. Ok, ok. Ça m'a fait un peu peur, mais ça marche. C'est l'essentiel. Gros cerveau, hein, t'as vu ça? Comment je déduis bien les choses? Franchement, je sais, vous êtes impressionnés. Je sais que c'est impressionnant. Vous savez, moi, dans le doute, je casse la gueule. Hein. D'accord. C'est bien. Pourquoi pas? Donc là, il doit y avoir un trou quelque part sous un arbre. Oh là 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 là. Oh, il y a beaucoup de choses, hein. Au secours. Oh, la boulangerie. Lupin gland. 5 pour 40. Non. Ah, il m'a traversé. Bon, allez, les cambrioleurs, là. Je te parie que c'est eux qui portaient les caisses. Comme d'habitude. Noisette est amoureuse d'un des pirates. Qui c'est? Noachette? Noachette? Salut Christopho, bienvenue sur ce stream. On cherche Noisette. On est sur Switch. Christopho, félicitations pour le bah, pour le port de Solarus finalement sur, sur Switch. Ça fonctionne très bien. Par contre, le truc, c'est que hier, au bout de 3h30 de jeu, le jeu s'est mis vraiment à beaucoup laguer dans un temple. Et du coup, j'ai reboot et ça a beaucoup mieux été. Mais faut le stream, ah bah oui. Tu l'avais stream en bêta il y a longtemps, longtemps. Mais là, on est dedans. Ça fait depuis 6h qu'on joue. Enfin, j'ai commencé hier, bien sûr. Et on avance bien, là. On avance vraiment bien. Je pense qu'il me reste encore une partie de la map en haut à gauche. Et qu'après, j'aurai fait le tour de tout ce qu'il y a. Mais pour l'instant, on est sur quelque chose de solide. Et de très bon, hein, bien évidemment. Beaucoup mieux que Blossom Tales, par exemple. Qui est aussi un Zelda-like. Mais là, je trouve que vraiment que le jeu a une identité propre. Et ça, ça fait plaisir. Prends ça. Bon, où elle est, Noisette? On m'a dit que Noisette, elle était en train de chercher des cambrioleurs pirates. Je vais encore tout partout. Je vais encore dans des endroits. Alors par contre, il y a des... Ça, c'est parce que je chicane. Mais il y a des petites erreurs de mapping à gauche, à droite, quand même. Petit plaisantin, Zelda. Voilà. Ok.
Mais le jeu est vraiment joli, hein. Il est vraiment beau. Je dois avouer qu'hier, le jeu m'emballait, mais je le trouvais quand même assez classique, standard-riche. Et là, je t'avoue que depuis qu'on est parti vers cette partie-là, avec la ville et tout, qu'on a fait une quête sur une île abandonnée et tout, c'était vraiment bien. Et en fait, j'apprécie vraiment, je commence vraiment à trouver le jeu vraiment bien, en fait. Mais vraiment un très bon jeu, quoi. Donc je regrette pas mon achat. Par contre, là, ça monte, je sais pas où je vais, hein. Je commence à avoir très peur, là, de où je vais, de ce que je vais trouver. J'ai trouvé la montagne, visiblement. Ça va? Élever des chairs, unité... Ah, c'est le Tibet. Salalest. Ok, une petite quête. Petite quête de Salalest. Salut. Un pèlerin! Un monstre dans votre cave. D'accord. Ok. Donc il a ouvert la porte par la pensée car il est moine. Donc c'est sans doute la porte qui est là. Par contre, on a un sort d'éclair qui est totalement pété. Et ça fait plaisir. Ah. Mais le truc qui est marrant, c'est que vu que je connais le moteur Solarus, je peux voir à peu près les ficelles quoi derrière. Et ça je dois avouer que c'est marrant de pouvoir voir derrière, de comprendre comment il a pu faire des choses et tout. Et elles sont vraiment bien faites. Tiens! Est-ce que ça t'inspire? J'étais déjà inspiré pour mon jeu, Lady. Hein. C'est une petite fontaine, ça c'est joli. J'étais déjà inspiré. Mais c'est sûr que vu que je vais plus être sur du style genre NES, Game Boy, quoi, je vais pas faire du style Super NES comme ça, enfin GBA, genre. Faut que je tue tous les monstres, en fait, tout simplement. Ah bah, il est là, le gros monstre. Ah, dommage que je meure. Utilisons nos 10 milliards de baies. Oh, pff, ça sert à rien d'utiliser, finalement. Et voilà. Un petit réceptacle. On a notre deuxième ligne de cœur. Félicitations. Ah, donc, c'est dire à quel point il y a encore des cœurs à trouver. Ça me fait peur. Ça me fait peur sur le nombre de cœurs que j'ai à trouver. Merci, merci. Bon, donne-moi ma récompense. Parce que le réceptacle, c'est pas ce qu'il y avait d'important. Je voulais la vraie récompense derrière. Tout est nickel. Ah oui, parfois, il y a des anglicismes et il y a des fautes de frappe dans la VF. J'en ai relevé quelques-unes. 5 pains de gland. Merci. Je vais les ajouter à mes 40 autres que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est pas bon, les glands. Du lore ? Mer, la déesse, la mer, l'oiseau marin, le roi des océans, celle qui donne la vie. Champion. Ah, il y a le lore. Hein. Il y a le lore, quoi. Il y a le lore, quoi. Le lore du jeu, il est là. Hein. Le lore du jeu, il est solide. Hein. Bon, on a fait ça. Je suis quand même content. Mais est-ce que c'est indiqué sur la carte, cet endroit-là, ou je peux paniquer? Le monde est très grand, par contre. Ça, c'est sûr. Oh! Allez, un petit sanctuaire pour mon éclair. Ah, attends. Attends. Je vais attendre que ma magie recharge. Technique de combat. Franchement, j'ai fait la caverne de Lord Alice sans aucun problème. Et il n'y a aucun problème à faire cette méthode. Garantie, elle fonctionne très très bien chez vous. Elle fonctionne très bien chez vous. Le sort utilisera une partie de ta magie, invoquant un éclair du ciel qui frappera 3 ennemis. Upgrade du sort d'éclair qui était déjà très pété. On va encore plus le péter. Ça fait plaisir. Bon bah voilà, la falaise c'est fait, je crois. Mais c'est vrai que c'est comme j'avais dit, il manque un petit peu de trucs pour de marqueurs ou de repères sur la carte pour savoir les points d'intérêt, où est-ce qu'ils sont exactement, genre pour les quêtes. Parfois j'avais du mal à me souvenir de où est-ce qu'il fallait que j'aille, ou quand j'avais un item,
Genre j'avais l'arc et je me disais, ah oui, je pouvais utiliser l'arc à tel endroit plutôt dans le jeu. Mais où sur la map? Oh, je ne sais plus c'était où. Du coup, ce serait bien de mettre des marqueurs ou des trucs comme ça. Mais à part ça, la map, j'aurais clairement rien à dire. La map est très bien faite aussi. Elle est grande. C'est très grand. Le jeu est vraiment grand. Mais c'est grand et c'est grand. Et vu que j'ai pas de sens d'orientation, je me perds facilement, quoi. Pourquoi je m'embêterais? Alors, mais bon, je peux enfin en acheter, donc je peux les utiliser sans avoir peur. Ah, les bombes, je préviens, Christopho, si t'essayes le jeu, elles sont pas avant un bon moment. Ça m'a un peu dérouté au début parce que j'ai l'habitude d'avoir des bombes rapidement. Mais elles apparaissent pas avant un bon moment. Je les ai eues il y a pas si longtemps que ça en vrai, les bombes. Enfin, en tout cas, une source d'approvisionnement fixe de bombes, quoi. Parce que j'en ai eu plus tôt, mais elles étaient limitées. Donc, j'ai pas pu les utiliser trop longtemps. Aïe. Allons dans ces endroits sombres. Un casse-tête. Oh non. Oh non. Oh non. Mais c'est vraiment beau, hein. C'est vrai que le jeu est très très beau. Ah, alors ça. Alors ça, c'est un trou caché. Ça, c'est un trou caché, vous allez voir, j'ai étudié le game design des Legend of Zelda. C'est pas un trou caché. Combattons la peste au mojo, ce n'est pas fini. Voilà. C'est dommage, ça. Oh, c'est grand. C'est grand. Oh non, je refuse. Je refuse. Oui, ça aussi, c'est un truc qui me perturbe. Les Switch, ils les laissent pas activer quand ils ouvrent des portes, alors que ça prend juste littéralement une ligne de code à faire. Ça me surprend qu'ils ne l'aient pas fait, quoi. C'est pas ma faute, c'est celle du moteur. Et ça m'a surpris aussi qu'il ait le droit d'utiliser le bruitage de l'épée de Zelda de Link to the Past. Je pensais qu'elle était droit d'auteur, ou la musique de l'épée de Link to the Past. Parce qu'il y a des monstres, quand ils donnent des coups d'épée, c'est le son de l'épée dans Link to the Past. Donc ça m'a surpris. Je pensais que c'était pas libre de droit. Oh mon dieu, oh mon dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me rendra invincible par hasard ici? Réfléchissons. Ah oui. Il y a aussi ça, tiens, on peut avoir les deux items à la fois, c'est une petite erreur de... C'est une petite erreur, pas bien méchante. Mais sinon j'aime bien le jeu, hein. C'est juste parce que de nature, on a une plus tendance à dire le négatif que le positif, mais... Ça c'est des détails, de toute façon, hein. Je pinaille, hein, bien sûr. Okay. Yes, on va aller voir ce qu'il y a dans ces ruines. On va d'abord faire les ruines. Je pinaille. Voilà exactement, je pinaille. Oh bah parfait. Petit réceptacle. Bien caché. J'appelle ça réceptacle parce que bah, c'est un réceptacle, mais. Est-ce que je vais descendre tout de suite? Non. Pas directement. Je vais d'abord aller là-dedans. Là. Ah oui, il y a un autre truc là. Alors toi là, le monstre totalement pété. Je tape à 10 là, tu vas pas me faire de mal. Ça va mal finir pour toi. Je suis devenu puissant. Merde, j'ai trop de pain. C'est triste ça. J'ai trop de pain. Comment on va faire? Petite roche ici là. Ma grosse tête. Il y a... D'accord, cet endroit ne sert strictement à rien. Intéressant. Donc allons à cet endroit-là. Ça, c'est tellement plus facile.
Ah, la porte s'est refermée. Merde. Bon, passons par ici. Oh oui, les chutes. En descendant les chutes. Et hop là. Un autre petit temple. Vraiment, avec l'éclair, c'est... Oh, c'est une fée! Oh non, il a mis une fontaine de fées parce que c'est comme dans Zelda, il a fait une Blossom Tales. Ah, maintenant ça donne 6 cœurs. Ça donne 6 cœurs l'élixir. Ah, au moins la récompense elle est inédite. Donc je me plaignais que ça donnait que 3 cœurs, maintenant ça en donne 6. Youhou! Je suis quand même content. Bon, bah là c'est. Ouais, ça c'est où j'étais allé tout à l'heure. Je sais pas si à la fin du jeu il y a un compteur de pourcentage ou s'il y a un compteur d'autres. Un compteur de durée de vie. Enfin, de durée de jeu. Ce serait cool. D'accord. Il n'y a que des villageois ordinaires. Change, j'en doute fortement. Donne-moi ça. Ah, attends, le pont immense. Ah oui, le pont immense, c'est celui qui est à gauche de la ville. Aïe. Oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh! Il y a un magnétogant! Il y a un magnétogant! Oh non, il y a un magnétogant. Il a fait un magnétogant de Oracle of Seasons. Oh, je vais être tellement heureux, quoi. Si la femme Manitogan, je suis vraiment le plus heureux des hommes, hein, je vous le dis. Oh, c'est beau. C'est vraiment joli, hein, c'est vraiment beau. Il a vraiment une patte esthétique qui est incroyable. Un phare! Non! Non! Un phare! On en cherche tellement des phares! On en a tellement besoin! Je vais le trouver, le phare. Hi! Tu pourras pas me suivre. Cet endroit ne sert à rien. Alors, je pense que dans le jeu, on n'aura jamais de palme. Hein. Si j'étais un pinailleur extrême, je dirais que ce feuillage-là est 8 pixels trop haut. Par rapport à son branchage qu'on voit juste là. Par rapport aux autres. J'ai bêta testé le jeu. Hein. Mais j'ai été. Je me suis arrêté à un moment donné. Parce que je voulais me réserver la surprise quand même. Puis, j'avais été assez en retard. Maintenant, c'est protégé par des rochers, c'est terrible. Attends, à quoi ça sert ce truc? Je vais pas le soulever? Qu'y pensais? Dans cet endroit-là, c'est d'où je viens? Oui, c'est d'où je viens. Attends, il y a un phare là. Il y a un phare là-dessous là. Il faut que j'essaye de me repérer là. Il faut que j'essaye de faire des trucs. Donc il y a le pont immense qui mène à la ville. C'est la ville d'ailleurs. On est dans quelle ville ici? Ah oui, on est au port. Merde, ça doit pas être par ici alors qu'on y accède. C'est terrible ça. Hein? Noisette trouvée, nana, des pirates au port. Bah oui, mais le port, j'y suis, quoi. Bah, j'aimerais bien la trouver, moi, Noachette. Noachette. Là. Oh mon Dieu, encore toi? C'est le boss final. Oh, il a disparu. Il est vraiment rapide. Il y a d'autres bateaux par ici. Là. Toi, es-tu un... Encore vous. Ah oui! C'est le truc qu'on avait fait à la guilde des marchands au tout début du jeu. Ah, donc c'était une quête. Il fallait avoir fait cette quête-là pour avoir celle-là.
Les quêtes sont... D'accord, il y a une logique. Des potes. D'accord, c'est marrant. On le retrouve là, donc j'imagine que si on n'a pas fait la quête, il n'est pas là. C'est fou. Monsieur Max. Il est là, Monsieur Max. Bon, sinon, il n'y a pas un... Ah, en haut de ces escaliers. Après la statue d'Ove. Ok, après la statue d'Ove. Là? Ok, d'accord. Voilà. Tout va bien. Nous achète. Gaucher, l'autre s'appelle droitier, c'est ça qui va se passer. Voler des cartes, sont terribles. Lelouch. Tabassé. Noachette. Les génères l'ont rencontré sur la falaise de marbre. Oh non. Le palais du maire, elle vous fait ses archives. Une falaise de marbre, mais j'y suis allé. C'est là d'où je viens. Myrte. Ruine avec une grande statue d'oiseau au milieu. Faut aller au sud de ce truc jusqu'à trois arbres où poussent sur les rochers. Celui du milieu cache un tunnel. Faut le connaître trois fois en cercle. Au secours. Falaise de marbre. On y retourne. Courage. Ça, c'est l'accès à la ville. On veut pas aller à la ville, on veut prendre le pont. Mais il y a ce truc-là qui m'intrigue quand même. Hein. Je dois vous l'avouer. Bon, on va aller au nord quand même. Mais attends. J'ai tout vu. La vie. La vie me manque. La vie me manque. Facile. Aïe. Moins facile. Je pense que je vais faire un petit reboot du jeu. Le jeu commence à un petit peu avoir de la misère. C'est le cauchemar? C'est le cauchemar? C'est l'assurance de passer un mauvais moment, ça? Ah, ça sonne tellement beaucoup de vie. Un cœur abyssal. Bon, à part la revente, je sais pas à quoi ça sert. Mais sinon, j'aurais pu faire mon arc. Non? Au lieu de faire ça. Bah, je pouvais faire l'arc au lieu de faire le tour. Pourquoi? C'est pas grave. Ah, c'est pas évident. Allez, petit réceptacle. Bon, je vais quand même sauvegarder. S'il vous plaît. Voilà. Un petit reboot, ça va le faire aller un petit peu mieux. Je pense. Parfois, il a tendance à saccadouiller. Saccadouiller. Ah non, mais finalement, j'ai fait tout ce qu'il fallait ici. Non? Non? Je sais pas. Pili. Le bosquet du poison. Tout sauf l'arbre, hein, bien sûr. Quel pire. Ah bah c'est un gros ennemi. C'était facile. Hein? Mais sinon... Ok. C'était un bel endroit en tout cas. Hein.
C'est bizarre que t'aies des endroits comme qui sont vides comme ça, ça fait bizarre. Of course. Donc ça j'ai fait, ouais, ça j'ai fait, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc la statue d'oiseau. J'explore un peu les alentours, mais je pense que j'ai fait le tour de la map. Aïe. Oh, le switch qui est pas... Le switch qui se redésactive, ça me tilte vraiment, quoi. Mais c'est une question d'habitude, juste. Donc ça, c'est la... C'est la falaise. Est-ce que j'ai fait ce qu'il y avait ici? Oui. Mais attends. Attends, à chercher cette 25e fleur qui me servira un jour à quelque chose. C'est du craft, hein, j'imagine, mais... Ah, ou bien de l'argent, pour faire vraiment de l'argent. Je me demande d'ailleurs c'est combien l'argent maximum dans le jeu. Bon, il y a le bâtiment, il y a le monastère. Ok. Hot dog VG. Mais... Attends, relisons notre notre quête. Nous êtes dans les archives secrètes. Il y a un tunnel caché sur le mont de la falaise de marbre. Va au sud des ruines, puis traverse la cascade. Il a bien parlé d'une statue d'oiseau et qu'en dessous il y avait un et qui avait genre des arbres et qu'il fallait genre cogner autour de l'arbre, non? On me dit pas qu'il faut que je retourne le voir pour qu'il répète parce que dans le log de quête il le met pas, hein. Il a dit des ruines avec une forme d'oiseau. Ça doit être ça, j'imagine. Merde, merde. J'ai exploré tous les arbres, je m'en fous. Tous les arbres. Peut-être que c'est plus bas. Hein. Parce que les ruines avec une forme d'oiseau, ça doit être ça. Ou bien est-ce qu'il parle dans le monastère? Mais il n'y a pas d'arbre dans le monastère. Ça fera aucun sens. Réfléchissons. Bon, essayons de voir s'il n'y a pas un accès à droite, là. Parce que là, sur la map, je suis à la falaise de marbre quand même. Donc peut-être que c'est vraiment ici. Hein. Je vais scruter une statue d'oiseau. Si vous en voyez une, vous hurlez. Oh, j'ai vu. Et là, ta statue d'oiseau. Je regarde. C'est quelque chose autour à faire autour de la statue d'oiseau. Truc caché là. Il y a des arbres. Je sais qu'il y a des arbres. Je sais qu'il a parlé d'arbres après. Est-ce qu'on pourrait tomber sans le faire exprès sur cet endroit là? Ah non, mais attends. Me dis pas que c'est le truc que j'ai fait. Me dis pas que c'est déjà les ruines que j'ai faites dans la cascade, là. Non, ça m'étonnerait. C'est pas ces ruines-là, hein. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu être le truc que j'avais déjà fait. En mode, why not? Mais est-ce que c'est cette statue-là? Est-ce que c'est ailleurs? Je pense qu'il va falloir que je retourne le voir pour noter ce qu'il veut vraiment. J'interagis frénétiquement avec les trucs. Peut-être que c'est cet endroit-là qui ne servait à rien à la base. Ah, des rochers sur lesquels poussent des arbres et que le tunnel secret est sous celui du milieu.
Rocher. D'accord. Trois fois en cercle, ok. Merci de me le rappeler, Tilia. Franchement, super génial. Incroyable. Donc cet endroit ne sert pas à rien du coup. Impressionnant. Oh, je les tue en un coup maintenant. Je suis devenu tellement puissant. Oh là là. C'est beau. Je sais pas si c'est la suite. Je ne sais pas où est la suite en fait, c'est le problème. Je vais traverser ça. Hein. Ok, c'était pas la suite. Mais ces trucs-là ont l'air rares donc. Tant mieux d'en avoir trouvé. Ah là là, je sens le fin mot de l'histoire, je le sens, je le sens. Le palais d'Orofruge. Ah, est-ce qu'il y a une phase d'infiltration bizarre? Pas forcément. Noachette! Noachette! Ah là là. Il me faut ces libres secrets. Ces libres secrets? C'est pas livre secret? Ou libre secret? Cœur de la mer. Bah oui, c'est ça. Genre, merci hein, d'être pas. Voilà. Ça va, ils ont pas voulu trop lui faire de mal. Oh mon dieu, c'est terrifiant! Il y en a donc bien des pirates. Est-ce qu'ils ont cassé la ville? Ce serait dommage. Une ville qui semble si bien. Ah, oh, ils te visent bien. Hein. Faire gaffe. Hein. Ce serait dommage de mourir sur ça. Utilisons mes 10 milliards de pain. Attends, j'en ai utilisé 10 milliards là? Est-ce que je peux? Ah, je ne peux plus une fois que ma jauge est remplie. Ok. Je regardais. Salut. Comment elle a fait pour sortir finalement Noachette de là? Elle doit être forte. L'argent. Je prends le pognon moi. Ouais, parfois il n'y a pas de transition escalier, parfois il y en a. C'est un peu bizarre. Et hop là, et c'est terminé. Ah, le jeu est facile. Hein. Faudrait peut-être falloir que j'essaye Hallows Eve aussi, qui est un autre jeu qui l'a fait mais qui est gratuit. Non, l'argent! Mais j'ai réussi. Apparemment, le palais n'a pas l'air d'être. Quelle fête de pirates quoi. Ok, allons retrouver Noachette. Ah, quel vol réussi. Ah donc en fait ils sont tous ils vont bien quoi. Ça en suspens juste parce que tu veux que Malvo revienne tenir le bar. Aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Ça va, Lady, tombez pas par terre.
Ah ouais, il y aura de la coopération, let's go. Il y a un vendeur au marché. Let's go. C'est beau, on avance là, on avance. Ça fait plaisir. Le jeu va peut-être pas se boucler aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça et après je vais en rester là. Ce sera une petite session là, ça fera plaisir. Bon, le marché. Il est où le marché? Il est où le marché? Il faudrait limite une carte de la ville tellement elle est grande. Je pense pas que ce soit là. Le marché. Le marché. Vu. Évidemment, je vais faire. Oh, il y a un marchand de bombes ici aussi. C'est formidable. Ah. Bon, il y a une petite quête finalement. Et on peut pas acheter de bombes. C'est une quête. Bon, je la ferai un jour. Hein. Je note les quêtes là. Je verrai ça après. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Bah attends, j'ai les outils. J'ai pas acheté des outils? Vous avez du thé d'armurier, voilà. Et voilà, plus de défense. Ah, parfait. Ok, donc il peut plus faire. Voilà, c'est ça. Il peut plus faire mieux pour l'épée. Et pour l'arc, on peut encore faire des trucs. Ok, il manque du corps. Ah, mais c'était lui, le marchand de poissons. Le rocher des mouettes. Le seul point, il est au sud. Ah, mais je pense que je l'ai déjà... C'est là que j'ai... Ah, c'est là que j'ai été... Avance plus vite! C'est là que j'ai été, il me semble. Salut. Oh! Oh mon dieu! Un follower! Nous avons un suiveux! Quel est le jeu? Il s'agit de Ocean's Heart. Un Zelda-like qui est sorti hier sur Nintendo Switch. Salut Mr. Dude. Nous avons un suiveux! Je cherche le rocher aux mouettes. Je l'ai trouvé. Donc maintenant il faut chercher l'arbre, c'est ça, l'arbre antique, si j'ai bien tout compris. Peut-être que je comprends rien à ce qu'il faut faire, mais... Ah, elle n'est pas... Ah! Là, elle n'est plus là. Ah bah, elle nous attend, en fait. Et bon matin. Bah ouais, bon matin. Oh, et merde, et c'est là qu'il faut aller, où je suis allé tout à l'heure, finalement. Oh, il y a des aurores, regardez ça. C'est effrayant. C'est là qu'on va ici. Ben voilà. Elle est forte. Merci, Noachette. Oh là, la musique de l'écran titre. Bon, on parie combien? On parie combien
que Barbe Noire il arrive et il prend l'épée. Ah, maintenant j'ai l'attaque cyclone! C'est pas toi qui voulais l'épée à la base d'ailleurs? Bah, il faut aller défoncer les pirates. Il existe un capitaine pirate qui s'appelle Al-Jazari, au fort du Corbeau. Ah, c'est l'endroit où on était. D'accord, je me souviens. Je me souviens. Oh, vas-y, amène-moi. Je te laisserai devant la porte du saloon. Merde, il fallait peut-être pas que j'accepte. Ah là là. Par contre, l'épée, ça fait bizarre, hein. T'as l'impression qu'elle tient rien en main et qu'il y a juste un truc devant elle, quoi. Ah là, t'as plus l'impression qu'elle tient une... Mais on dirait une rangée de pixels, quoi. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu bah, au sprite de Link to the Past, mais en mode découpé. C'est drôle. Drôle. Bon. Il faut que j'aille là-bas. C'est ça, hein, que je me plante pas. Chaque fois, je vais me tromper de sens, hein, bien évidemment. Ah, merde! Donc, il faut trouver le marin. Je suis rien du tout à l'histoire, hein, vraiment. Je fais aucun effort. Merde! Et du coup, elle m'a amené devant le saloon exprès? Il faut que je le retrouve. Faut que je le trouve. C'est lui. Oui, c'est lui! Je suis vraiment trop fort. Des démons de métal. Ah, c'est les trucs qui lancent des fléaux là. On les a vus. Le poing. Dans le quartier Est. Ah, on va devoir crafter. Peut-être qu'on va vraiment devoir crafter. Mais on est dans le quartier, on est à l'est de la ville. L'entrepôt, évidemment. Attends. Là, il y a des... Alors, il y a des fleurs sur la porte, hein, c'est peut-être ça. Toi, tu fais des potions? Ah! Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes... vous avez Alzheimer? Ou... C'est formidable. Easy. Je me demande jusque où ça dure. Ça va, ça va. Je me demande quand même combien de fois ça dure. Grosse quête. Quête qui vous patiente tous, hein, je pense. Combien il en a fait des mises en situation comme ça? Une dizaine, j'imagine? Elle a pas de piano?
Ah mais moi, vous le savez, je suis persistant. Hein. Moi, vous savez, je suis persistant dans la vie. Je suis très persistant dans la vie. Putain, le traducteur, il a dû tellement faire chier. Oh, le traducteur, il a dû détester Monsieur Max quand il a fait, quand il a dû traduire tout ça. Mais c'est... Ah, ça y est, elle reboucle. Elle reboucle. Elle reboucle. Elle commence à reboucler. Elle débloque là. Ça y est, elle débloque. Elle débloque. Elle débloque, elle se répète là. Là, elle se répète. Là, elle répète les dialogues. Donc là, on a le choix de faire ça à l'infini pour gagner une couronne par une couronne. Ou bien, on arrête quelque chose. On arrête. Parce que là, en fait, ça. Ça reboucle. Formidable, non? Voilà. Bon, l'apothicaire. Ah, toi, t'es un apothicaire. Filtre de sommeil. Des fleurs d'aconite, je n'en ai plus. Ça va, tout va bien, j'ai trouvé les fleurs. Rapporte-le à Morus, let's go! Barman. Tu as réussi à passer ton sommeil dans l'aile des pirates du fort du corbeau. Tu dois cibler les tonneaux marqués d'une étoile dans l'entrepôt d'à côté. Quelque part au sous-sol, ils sont en partance pour le fort du corbeau. Au sud du haut fond du lotus. Ouais, donc ça, je savais c'était où. Donc il y a une cargaison qui part pour ça. Et je dois aller dans des mettre dans les tonneaux en étoile. Avec une étoile dessus. Ah, traversez-moi. Mais je préfère ça qu'il me bloque. Parce que se faire bloquer par les villageois, c'est juste pénible. Cette ville est si grande. Salut Sky. Merci pour le raid, Sky. Bravo. Eh, hey, on avance bien, Sky. Là, on a retrouvé nos hachettes. On a retrouvé nos hachettes, on a réussi. Ah, maintenant, la carte, on est... Ah, on est bien, là, on est bien. Hein. Franchement, on est devenu très très fort, en plus. Bon, les tonneaux. Tonneaux. C'est vous, là? Pourquoi... Mais... C'est le chantier naval, ça. Oh, ça y est, je vais devoir chercher ce qu'il va falloir que je fasse. Ça y est, c'est parti. Oh non, vas-y, Sky, fais-moi rire. Fais-moi rire, vas-y. Ah bah, j'ai eu de la chance qu'il y ait le raid qui se fasse, du coup. Oh, c'est où que je dois aller, putain? Trouve la cargaison d'Alles des pirates et corse-la. Cherche un tonneau avec une étoile. Ben, il est certainement dans le port. Il va pas être ailleurs. Il va pas être par terre, là. Si jamais vous voyez un tonneau avec une étoile, vous hurlez, hein. Ça va pas être là. Attends, je vais aller déranger ces oiseaux, ils sont chiants, voilà, cassez-les. Peut-être que c'est à l'intérieur. J'y ai cru. T'as pas lu la suite. Mais cherche un tonneau avec une étoile. Trouve la cargaison d'Alles des pirates et corse-la. Et il faut trouver un tonneau avec une étoile. Voilà.
Ah. Ah oui, pardon. Tant que je cliquais pas, le logiciel fonctionne. Ah oui, mais tant mieux. Mais je pense que ça m'a fait la même la fois où, où j'avais eu le crash avec mon Avermedia. Que j'ai dû couper pour que je revienne. C'est où? Je vais retourner voir l'autre pour qu'il me le répète parce que. Attends, ce serait pas logique par contre qu'il le fasse pas au port. C'est un truc qui doit partir pour le fort du corbeau là, ça doit partir en bateau le machin. La plus malchanceuse game? Ah bah c'est triste. S'il te plaît, répète-moi. Oh, j'espère qu'il est encore là. Qu'il a pas disparu. Je vais être tellement triste s'il a disparu. 1h08 le diams, c'est cool. Si tu veux verser ta potion de sommeil dans l'halle des pirates du fort du corbeau. Attends, l'halle des pirates? C'est quoi l'halle? Putain, le vocabulaire spécifique là. Oh là là. L'halle des pirates du fort du corbeau. Tu as ciblé les tonneaux marqués d'une étoile dans l'entrepôt d'à côté. Quelque part au sous-sol. Il y a un entrepôt. Attends. C'est important pour le fort corbeau. Pendant ce temps, j'irai au fort corbeau. Mais est-ce que ces tonneaux, ils sont au fort corbeau ou ils vont y aller? Dans l'halle des pirates du fort du corbeau. Tonneau marqué d'une étoile dans l'entrepôt d'à côté. À côté du fort. L'entrepôt à côté du fort, dans le sous-sol. Pendant ce temps, j'irai au fort du corbeau. Donc là, il y a le fort du corbeau. Et à côté, t'as un entrepôt, il faut aller au sous-sol. Je pensais que c'était des bateaux qui devaient partir pour le fort et qu'il fallait trouver un tonneau sur le port. C'est pas grave. J'ai utilisé mon éclair pour rien parce que voilà. Grosse viscaille en tout cas. Alors pendant ce temps-là, j'essaye de combler mes problèmes de compréhension mentale, apparemment. Alors s'il n'y a pas d'entrepôt à côté du fort du corbeau, c'est quand je comprends R. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où le fa... Ah voilà, il est là, le fast travel. Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que là je commence à être un peu saturé. Ouh, GG. L'armure de chevalier là, chevalier, la grosse défense quoi. Moi j'attends pour l'armure archéonique parce qu'elle est mieux. Qu'il est là entre... Non, ça c'est des ruines. Il me semblait pas qu'il y avait des entrepôts, à moins que tu parles de ce truc-là, là. Il me semblait pas qu'il y avait des entrepôts à côté du fort corbeau, c'est pour ça que je suis un peu intrigué. Ouais, ça fait bien plaisir, hein, ça, de la défense, on dit jamais non. Ça, c'est l'endroit que je sais pas quoi faire. Ça m'énerve. Enfin, j'ai regardé mon bêta test, je l'avais fait, il fallait une plume. Où était la plume? Aucune idée. Pas de bol. Cassez-vous, mon pire. Donc, il est là, le fort corbeau, là. Donc, ça, c'est le fort du corbeau. On est d'accord que là, trouve la cargaison d'Al. Donc il a dit qu'elle est dans un entrepôt. Il est dans un entrepôt qui est supposé être à côté du fort, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, le gars. Ah mais c'est là. Attends, non, c'est pas ça. Tu aimes ce jeu? Bah oui, Sky, ça t'étonne? Il coûte 20 $ canadiens. Alors ça, ah oui, ça c'est un peu plus chiant quand tu fais que ton code il active pas le switch. Dollar canadien, 14 € environ du coup.
Mais apparemment, tu sais, il n'y a que toi qui aime pas le jeu, Sky. Je suis désolé de vous décevoir, hein, mais. Mais il n'y a que toi qui aime pas le jeu. Hein. C'est cher. Franchement, Pokémon Arceus, il est à 60. Ça, je trouve ça cher pour ce que c'est. Attends, il est là, l'entrepôt. C'est ça, l'entrepôt? Alors là, pour le coup, par contre, la quête de l'entrepôt, je comprends R. Hein, ce qu'il faut faire, là. Mais il est où ton entrepôt? Ah, s'il me dit que c'est un entrepôt qu'il y avait sur le port, alors là, je vais péter un plomb. Parce qu'il est pas clair dans ce qu'il dit, le vieux man. Hein. Solus au pire. Bah ouais, il y a une solution sur le jeu, mais attends, pas tout de suite, là, yo. Quand même. Faut pas déconner. Non, mais attends, là, il n'y a pas d'entrepôt, là, il y a de la nature, là, il n'y a pas d'entrepôt, là. Le gars m'a dit de là. Ou j'ai mal compris ce qu'il a dit. Oh, vraiment? Plus ça n'a aucun sens. Là tu tombes pas et là tu tombes. Alors que s'il avait juste mis sa poutre un layer en dessous, on sauterait pareil. Mais on serait dans la poutre. Ce serait moins bien. Je vais péter un plomb. I'm gonna pète à câble. Hein. Il y a un entrepôt par ici. Donne-moi le œil. Oh, j'ai de nouveau plus de vie, quoi. Terrible ce jeu. Est-ce qu'il est par là l'entrepôt? Au sud fort du corbeau. Bah ouais mais... mais encore. C'est ça? C'est ça l'entrepôt? Quand j'ai tué un pirate. C'est quoi le plugin? Là-bas, je peux pas y aller. Hein. Alors, j'ignore totalement si c'est ça. Hein. Je sais que dans le jeu, on n'aura jamais les palmes. Toutes les pistes audio sont séparées. Alors je pense pas qu'il y aurait les palmes dans le jeu, ça m'étonnerait. Parce que vu l'étendue d'eau qu'il y a dans le jeu, si tu peux nager dans tout ça à un moment donné, à moins d'être en endgame, je vois pas... Je deviens fou. I'm gonna devenir fou! I'm gonna suicide myself! Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Regarde la circulaire comme elle est belle, Sky. T'as vu comme c'est beau? Johnny Gretis. Il joue à Chrono Trigger. Bah, ça se peut. Regarde comme c'est beau! C'est pas circulaire, ça. Ouais, bon, c'est l'attaque chargée, quoi. Bah, s'il faisait attaque circulaire, c'était comme Zelda. Pas le choix. Non, mais je comprends pas là, je comprends pas ce qu'on veut de moi en fait. Je comprends pas ce qu'on veut de moi en fait. Je comprends pas ce que le jeu veut de moi là. Est-ce que c'est là? Mais la porte est verrouillée. J'en sais R. Tiens, meurs, ça ira plus vite.
Mon élixir. Oh, j'en ai marre des potions qui s'utilisent toutes seules. En même temps, il y a des fées dans Zelda, c'est pareil, mais là. Là, ça me fait chier. Voilà, c'est la différence. Tiens, faisons cet endroit là, là. Faisons ça là, en attendant. Là. Faisons ce truc là. Je pensais que c'était la fin du jeu, mais finalement pas du tout. Faisons ce truc là. Faisons ce truc là, ça ira. Ça va bien aller. C'est un peu une grosse merde cette ennemie. Eh, viens. Comme ça, je n'y suis pas. Tu veux bien lancer une bombe? Voilà, merci. Ne tentez pas. Incroyable. Incroyable du cul. T'as trouvé des bombes? Oui, on peut en acheter maintenant. J'ai trouvé un endroit où on pouvait en prendre. Ça y est. Il fallait faire une quête sur une île abandonnée. Une vieille clé. Une porte dans les ruines. Intéressant. C'est un miracle. Bah, j'ai trouvé qu'elles étaient très tard, hein, les bombes, c'est vrai. Esquive Man, hein, bien sûr, on appelle Esquive Man dans le milieu. Oh, c'est grand, c'est grand. Au secours. D'accord. Non mais vraiment. On sent que l'axe Z est très respecté. Hein. Ah. Ah. Ouais, bah. Les musiques font pas tout dans un jeu, Mr. Sky. Puis les musiques fit avec l'ambiance, comme j'ai déjà dit. Hein. Merde. Oh, je peux couper. C'est vraiment formidable. J'aime clairement pas. Ah, bah, chacun ses goûts. Moi je trouve que ça passe, mais il y en a des vraiment qui étaient cool, c'est dommage. Parce que là, la partie qu'on a faite et tout, Sky était pas là, mais elle était vraiment bien. Oh, un phare. Ah, c'est ça? Ma grosse tête. Attends, j'ai fait un énorme raccourci là, si c'est ça. D'accord, cool. Ça, ce truc là, des switches aussi, là, il n'est pas fini de me surprendre. Ah ouais, du coup là j'ai fait un énorme raccourci. Ah ouais, j'ai fait un énorme raccourci. Donc les ruines en fait relient les deux trucs là quoi. C'est vraiment fou. Bon, par contre ça me dit pas c'est où que je dois aller. Cherche un tonneau avec une étoile. Merci. Je pense qu'on va chercher la soluce hein. On va relire ce que l'homme comprend. Est-ce que Lady est là? Est-ce que Lady va m'aider à trouver mon cerveau? Lady, j'ai besoin d'un cerveau. J'ai besoin d'un cerveau pour m'aider à voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Là, je comprends pas. Là, je comprends pas. La quête me dit. Trouve la cargaison d'Al des pirates. Je sais pas c'est quoi de l'Al, mais c'est de l'alcool, j'imagine, un truc comme ça. D'Al des pirates, écorce-la. Cherche un tonneau avec une étoile. D'accord? Il me dit cherche un tonneau. Il ne te dit pas où, hein, mais il te dit il faut trouver un tonneau avec une étoile. Quelque part. Ça se prononce Lail. Ah, c'est un anglicisme, encore. Donc là, allons voir monsieur qui va me dire la quête. Que je comprenne un peu ce que le jeu veut de moi. Moi, je me disais que c'était au port au départ. Puis après, j'ai compris que c'était un entrepôt à côté du fort, mais j'ai rien trouvé à côté du fort. Donc là, je comprends pas. Regarde, écoute cette musique-là, Sky. Puis j'ai écouté les OST, j'ai vu les OST, il y a genre 1h30 de pistes musicales. Genre malade. Donc il me dit. Dans l'œil des pirates du fort du corbeau, tu dois cibler les tonneaux marqués d'une étoile. Je te dis juste, cibler les tonneaux. Dans l'entrepôt d'à côté. Quelque part au sous-sol, ils sont en partance pour le fort du corbeau. Quelque part à côté. Un entrepôt à côté du fort. Moi j'ai compris un entrepôt à côté du fort. C'est l'endroit avec la porte barrée qui est à côté
du fort, mais que je sais pas comment on ouvre la porte. Juste à côté du saloon. Putain, il dit à côté parce qu'il dit à côté, mais... Moi, j'ai compris qu'il parlait du fort corbeau quand il parlait d'à côté, hein. La compréhension humaine, quoi. Les pirates du fort du corbeau... Tu vois, si tu veux verser ta potion de sommeil dans l'œil des pirates du fort du corbeau, tu dois cibler les tonneaux marqués d'une étoile dans l'entrepôt d'à côté. Moi, je pensais qu'il parlait de l'entrepôt d'à côté du fort. Vu qu'il parle du fort juste avant. Il parle du putain de fort là. Mais du coup, c'est peut-être à côté du saloon, quoi. C'est juste une mauvaise phrase. La porte est verrouillée anyway. Anyway. En tout cas, c'est un entrepôt. Anyway, la porte est verrouillée. Donc, d'avoir une autre façon d'entrer, par le sous-sol. Et là, il y a le tonneau étoile, et je comprends rien. Attends, c'est quoi ce mapping dégueulasse? Ah, il y a une fissure! Par contre, le mapping est dégueulasse. Ouais, là, il est mieux. Mais avant, il était dégueulasse. Oh, le tonneau avec l'étoile! Donc, c'était à côté des entrepôts. C'était à côté du saloon. Corseleil. Glouglou, ouais, si tu veux, glouglou. Oh, une énigme de bloc. J'ai raté l'énigme de bloc. Small brain. Merde. C'était assez lâche comme mapping. Ouais, bah écoute. Il n'y avait pas le temps. Bon, l'énigme de bloc maintenant. Quoi? C'est ce qui se passe quand on fait les choses sur la même map. C'est ça l'inconvénient, Lady, tu vois, de faire les tes intérêts sur la même map. Il faut totalement sortir pour qu'il retienne. Alors, réfléchissons. Comment vais-je résoudre cette énigme? J'ai réussi. Grosse énigme. On a encore un élixir de mort. Bien. Donc même, excusez-moi, bah, j'ai vraiment cru qu'il parlait du truc... En fait, j'ai d'abord pensé, parce que j'ai pas lu le texte. Au début, j'ai pensé qu'il fallait livrer l'ail au fort du corbeau et que donc il fallait passer par le port. Donc sur le port, il y avait un tonneau. Puis après, quand j'ai été le voir, il a parlé d'à côté. J'ai cru que c'était à côté du fort, l'entrepôt. Donc, voilà quoi. Small brain. Hein. Pas facile d'avoir un petit cerveau dans la vie. Traverse-moi, vas-y. Regarde, les bombes, elles sont là, Sky. Vendeur de bombes. Ah, mais il faut d'abord faire une quête pour le faire. J'ai oublié ça. Donc, en fait, on peut en avoir, mais il faut faire la quête pour vendre des bombes. Tellement un truc rare. Si jamais ça se passe mal. Chose me dit que ça ne marche pas. À moins que je jette mes couronnes dans chaque puits qu'il y aurait dans la ville. À gauche, à droite, là, tout partout. Qu'est-ce qu'elle est cet endroit? Ah, c'est la partie sud du lac. Je m'en fous, j'ai des élixirs. Je m'en fous. Ah, par contre, les freins d'invulnérabilité, quand on se fait ressusciter, elles n'existent pas. Alors ça, c'est un truc qu'on m'a reproché dans Forgotten Legends aussi. C'est fou, hein, quand même. Que quand tu ressuscitais, t'avais pas de freins d'invulnérabilité. Donc j'en ai ajouté. Et il me semble même qu'il l'avait dit que je te l'avais montré. Donc là, il n'y a pas dans ce jeu-là. Je dis choisis rien, ça reste notre petit détail, notre petite amertume, rien qu'entre nous. Traverse-moi. Bon, est-ce que je peux sortir de la ville?
Ou c'est ça semble trop difficile? Pas du tout là. Labyrinthe Land, Labyrinthe Land, Labyrinthe Land, Labyrinthe Land. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, du coup, est-ce que je peux aller au fort du corbeau sans problème maintenant ou bien ça va, il va encore y avoir un truc qui va se passer? J'ai peur maintenant. J'ai peur de tout ce qui peut pas, tout ce qui peut se passer dans le jeu. Let's go. Je pense que j'ai trouvé tous les points de fast travel que je pouvais trouver. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de donjon. Peut-être que là ce sera un donjon, le fort du corbeau. C'est pas là à chaque fois, je pense que c'est là. Achète-toi un sens d'orientation et une mémoire par pitié. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Évidemment, évidemment. J'ai trouvé une clé ornée d'une tige. Est-ce que j'ai un indice quant à son utilité? Dans une cachette, à travers trouvée sous terre, tu as découvert une vieille clé. Trouvée une serrure, elle trouve quelque part dans Roux, d'accord, dans la ville, quoi. Dans Roufruge. Bah tant pis, hein. Ah tant pis. C'est pas ma faute, c'est celle du moteur. Oh, par pitié! J'ai limite envie de claquer le truc qui me fait courir pendant plus vite pendant 2 minutes, là. Tellement j'en peux plus. Évidemment. De toute façon, je m'en fous, j'ai des élixirs. Tu me dis que... Bah voilà. Le donjon? Oh, ça sent le donjon. Séparons-nous, il a dit. Bon bah du coup, je vais aller... Ah, mais du coup, attends. Date de zone burnit. Date de zone explosite. Bon, du coup, j'imagine que l'objet du donjon, ça va être un truc qui permettra de casser ces trucs. Peut-être qu'on va avoir un fléau d'armes. Oh, il n'y a pas quelqu'un dans le jeu qui demandait « est-ce que tu as un fléau d'armes ?» Non. Vous souvenez-vous de qui c'était? Ouais, non. Ok, d'accord, tu vas rester là pendant le temps que je fasse le donjon. Mais je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui demandait qui avait besoin d'un fléau d'armes. Hein, qui demandait si on avait un fléau d'armes. Donc, quelle bonne nouvelle. Bah voilà, tu vois, il y a des bombes Sky. Mais si tu claques toutes tes bombes, ouais, tu dois faire les quêtes pour les acheter, quoi. Ah bah oui, je suis con. Utilisons nos 10 milliards de pains. Ah oui. Ah oui, le maximum de flèches. Évidemment. Une clé. Bien vu. J'aime bien la musique. Fait un peu mécanique. Attends. Ça alors. Non. Ok, il y a une porte à droite aussi là. Oh, un tapis roulant! Ça me terrifie. On peut faire des tapis roulants avec Solarus, tout à fait. Waouh. M'en fous.
Je m'en fous, je suis invincible. Super. Hey, t'as vu, il donne des bombes. Impressionnel. Oh mon dieu. Et une autre clé. Parfait. Ah oui, donc on a vraiment deux clés cumulées. Ça se voit dans l'écran. C'est marrant. Alors là, vive la roulade. Ah non, on peut pas rouler quand il y a les tapis roulants. C'est terrible. Hello? Et merde. C'est bizarre, ça donne l'impression que le coffre est dans le mur. Mais finalement, il y a comme un petit renfoncement visuellement, donc ça passe. Ah d'accord. Ah, ces trucs qui sont... Ah! C'est au-dessus. C'est un peu perturbant, mais c'est... Ah bah non! Non, non, il me bouscule. Regardez ça, le donjon est intéressant. J'ai réussi à ouvrir la porte tout seul! Aïe 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 aïe. Et là, on va affronter le truc à fléau qu'on a affronté dans le truc de manche d'ennemis là, du mini-jeu, qui donnait pas grand-chose. Gros donjon en tout cas. Hein. Alors, est-ce que vieux man est mort? Parce qu'il n'y a pas encore de mort dans le jeu, c'est terrible. Ah! Je pensais que c'était terminé. Ah! Ah! Ils peuvent venir dans les portes! C'est un concept assez unique, je te dirais. Donc là, elle a dit, voilà une erreur de séparateur, par exemple, à laquelle vous pouvez assister en direct. Voilà, vous voyez, le mouvement de la caméra. Qui fait clac, voilà quoi, ça c'est une erreur de séparateur. Mais en même temps, j'imagine que vu l'architecture de son donjon, qui sont pas des pièces full carré carré, il n'avait pas trop le choix. Est-ce que ça me pousse? Je n'oserais pas essayer. Voilà, ça fait des erreurs dans donjon du fou, c'est un problème de séparateur. C'est pour ça que je les ai enlevés. Parce que je préfère les solutions faciles. Merde, quoi? Je m'en remettrai jamais. Merde! Ah. Je peux plus. Le fléau d'armes. Souvenez-vous de qui avait besoin d'un fléau? Ok, ça a l'air lent comme un cul. Mais on va s'en sortir. Donc j'imagine que là, il y a des trucs qui vont... Non? Ah d'accord! Faut être Superman, quoi. Je regarde ce qu'il y a ici, hein, vous savez. J'en ai trop. C'était pour te fermer la clé. C'est un peu dégueulasse, ça, monsieur. De toute façon, on va faire ça, on va s'arrêter. Et la suite va sûrement être une autre fois. Vendredi prochain, normalement. Alors, où c'est qu'il fallait que j'utilise mon fléau? Est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Besoin de son rançon magique. Ah, ça c'est si t'as la flemme d'attendre. Utilisons nos 10 milliards de belles. Qui est nué, ça va rien. Voilà. J'en ai gaspillé plus de la moitié, c'est parfait. Où c'est qu'il fallait utiliser mon item?
Ok, je vais avoir une clé là-bas. Donc il y avait des trucs comme ça qu'on avait vu dans le jeu, mais je sais plus où c'est que... Je sais qu'il y a des endroits dans l'overworld qu'on peut utiliser le fléau là. Mais au pire, je pense que j'en ferai une exploration de toute la map. Pas le temps! Pas le temps! Ok, donc là je vais avoir le choix. Même si j'imagine qu'il y a une autre clé que je dois trouver quelque part ici que je n'ai pas vue. Ce serait la logique. À moins qu'il y ait une clé dans les deux accès. Bidiou. Ah, mais. Il a retenu le bloc, c'est formidable ça. Je vais d'abord aller dans l'endroit qui semble être le plus chiant. Bravo. Putain, il a fait tout ça tout seul du coup, il est doué. Formidable. Jamais le quand tu te fais toucher, t'as un petit ralenti. Maintenant, je me demande si la Switch prend pas un peu cher là encore. Bon, il faut trouver une autre clé. C'est bien ce comme je pensais. Donc, il doit y avoir un endroit dans le donjon où je pouvais utiliser le fléau, que je me souviens plus c'était où. Donc, on va refaire toutes les pièces parce que c'est comme ça que ça marche. Jusqu'à trouver l'endroit où il manque un truc. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, attends. Là, c'est la même chose. C'est ça. Ça fait un peu bizarre parce qu'il y a genre pas de trou qui sort de ces machins-là. Puis la couleur, le noir gris, colle pas avec celui du mur. Je vous l'avais dit que je pouvais être un chialeux quand je voulais. Hein. Il décasse et c'est par là. Je me souviens plus, moi. Il n'y a pas de carte aussi. S'il y avait une carte, tu vois, ça c'est. Bon, c'est parce que y a deux problèmes, c'est que je sais pas m'orienter. Et le deuxième problème, c'est que c'est ça le manque de carte, c'est ce que ça implique. C'est alors que si j'avais une map, j'aurais fait cac, je l'ouvre. Je vois direct la pièce que j'ai pas visitée et à côté de quelle pièce elle est. Et direct, hop, je sais où elle est. Fini. C'est à ça que ça sert d'avoir une carte. Voilà, elle était là. Voilà. Ah, tu me diras, même avec une carte, du coup, j'aurais pas trouvé. Parce qu'elle n'était pas forcément. Bah, c'était pas une nouvelle pièce, quoi. Oh, c'est bon. Là, limite, je fais pas attention à rien. Là, j'ai tellement de vie que. C'est pas encore fini. Ah bah merci. Quand vous voulez que je fasse autrement. Allez, de l'argent. 50 balles. C'est vrai que tous les balles que j'ai perdues dans la fontaine là. Bon allez le boss, c'est parti pour le boss. Ça fait botter les miches. Ah là là. C'est la vie. L'affaire de Barbe Nuire. Il y a une carte dans le repère du conseil. Ok. Bah. Difficile. Beau travail, Tilia! Le QG du conseil. Il m'a fait une Book of Mudora.
Il m'a fait une Book of Mudra. Je peux plus sortir. Je suis coincé dans son corps. Ah, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien la Book of Mudra. Attends, je vais regarder si je peux pas m'en sortir quand même en me faisant genre une bombe ou un truc comme ça. Mais je pense que je suis coincé, donc il n'y a pas de solution. Ouais. C'est triste, hein. En même temps, le jeu a l'air d'être fatigué. J'ai l'impression. Il a fait une Book of Mudora, quoi. Ça c'est pas bien. Ça, pour le coup, c'est un truc qui aurait dû être vu en bêta test. Ah, et du coup, mon raccourci est mort. Comment tu veux que je passe assez vite tout ça, en fait? Ça, pour le coup, si jamais quelqu'un pourrait faire un clip ou quoi, que je l'envoie à Max pour dire là, il y a un problème. Évident. Merci. Carte maritime du récif de Brisma. Ah, Brisma? Ah oui, Brisma. C'est là où je suis allé pour aller proche du... Ouais. J'essaierai de me rappeler que c'était vers 3h35, la façon. Ouais, vas-y, mène-moi... Voilà, parfait. Donc là, j'ai... voilà, j'ai ça. Donc, île de... Voilà, c'était à côté de ça. Youhou! Et voilà. Donc là, on se retrouve dans cet endroit-là, mais de l'autre bord. Finalement. Ah, et du coup, il y a ça. Ah, mais c'est de là qu'il fallait utiliser le machin. Donc ça, c'est le truc de l'autre côté. Le village noyé. C'est dommage, terrible. Ah, je pense que là, je suis sur des armes puissantes. Hein. Tu me diras, mon épée aussi est très puissante. Ça, c'est terrible tout ça. Le phare! Je vais avoir allumé tous les phares, ça y est. Ça y est, je vais avoir réussi. Je vais avoir réussi. And now, what happened? Nothing? Retourne à la baie Zephyr où vit la gardienne du phare. Ah! Mais je pense que si je le fais, c'est vraiment bien. Gay! Le rocher ardent. Ah, tu vas voir, ça va être ardent là. Ah, c'est un truc volcanique, what the hell? Attends. Paf! Ah ouais! Ah ouais! C'est efficace. Oh, intéressant. Niveau 3 pour l'éclair. En plus, ça utilise même pas de magie, le fléau. Ça va toi? Bah le voilà. Niveau 3. 4 ennemis, parfait. Attends, niveau 4? Quatre sur 4. Ah bah j'ai fini.
Et c'est tout? Enfin, j'ai le Xorc du coup qui est très puissant. Mais à part ça, j'ai rien d'autre. Je pensais que le héron il allait venir et qu'il allait avoir autre chose, genre. Enfin, du coup, si la quête, tu l'as. Si t'as pas les thèmes au départ et que tu le trouves pas, sans l'éclair, t'es un peu dans la merde. Hein. Comment osez-vous m'interrompre? Mais. Le sort de flamme. Ah. Flèche de feu. C'est quoi ça? Ah, c'est des petits jets, c'est des petites. D'accord. The fire. Formidable. La magie du jeu vidéo. Non mais. Ok. Faudra utiliser une bombe. C'est un peu triste. Donc j'ai vraiment flèche de feu, quoi. Flèche de feu, oui. J'ai flèche explosive aussi sûrement. Il faudrait que je trouve quelqu'un. Ah, parfait. C'est peut-être le dernier corail du jeu d'ailleurs, avec un peu de chance. Et merde. Et merde. C'est pas grave. Parfait. Mais tu peux l'activer. Ok. C'est vrai que j'avais dit qu'on s'arrêtait, non? Aïe 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 aïe. Je peux m'arrêter, hein. C'est bon signe, hein. J'ai faim en plus. Je deviens désagréable. J'ai faim. Je suis désagréable. Oh, mais attends. Mais attends, c'est vrai, j'avais une lance, non? Ok, ah bah cool. Bah, du coup, dans 20 minutes, je vais arrêter. Comme ça, je vais pouvoir te raid avec mes. Avec toi-même. Alors soit c'est un grappin, soit c'est un gant. Mais j'ai pas ce qu'il me faut. Je vais le trouver ici ce qu'il me faut. Le cimetière des vagues. Oh ouais, ça va être ça. Deux donjons consécutifs, mais quel bonheur. On a vraiment de la chance. C'est pas ma faute, celle du moteur. Mais vraiment, mais je vais pas en diagonale! Oh là 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 là! La Switch. Le Joy-Con. Cool. Là, on parie combien que je tombe dans l'eau? Je tombe dans l'eau, ouais, je m'en doutais. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose là, l'eau là. Ah. I can't! So sad. Ça va être un raccourci pour revenir plus tard, ça. Ma grosse tête. Attends, du coup j'ai fait. Là il fallait le. J'ai eu quoi? J'ai eu quoi? I don't remember. Qu'est-ce que j'ai eu? Mémoire? J'ai eu quoi? C'est quoi l'item que j'ai eu? Ah, il fallait aller là face. Mais bordel de merde! Aïe, ah, il est désastreux ce Zeldoman. Ah, oh, c'était pas pour tout de suite.
Mais... un petit tourbillol là. Ah, j'ai eu des trucs de gel. Ok, faut faire le retour. Alors ça, je te parie que ça me fait tomber dans... dans un trou. Ça. Exactement. C'est marrant, on a l'impression qu'il a repris les trucs de sable dans Solaru, dans Book of Mudora, mais que du coup, ils sont bien faits. Mais arrête de... Pourquoi tu as sauté? Pourquoi dans ta vie t'as sauté? Juste pourquoi? Limite, je préfère que le truc voilà, soit tombé par terre, comme ça j'ai pas à m'emmerder alors. Ok. Ma grosse tête doit cacher des trucs, attends. Ah d'accord. C'est beaucoup mieux sur ma grosse tête. Hein. Non, don't. Allez, on a enfin réussi à trouver la carte. Oh, j'ai peur. Une clé? Bravo. Et là, on retourne là où il y avait l'autre coffre. Cool, cool, formidable. Limite, je vais aller plus vite à 7 Quit. Et voilà. Ça ira plus vite. De me taper le chemin chiant là. J'ai des élixirs, tout va bien. S'il te plaît, arrête de sauter pour rien. Oh là là, mais pourquoi parfois tu retournes à côté de... Pourquoi tu reprends des fois au début de la pièce? Pourquoi des fois tu reprends à côté du truc où t'es tombé? Faut une constante, faut pas faire les deux à la fois, sinon tu sais jamais le cas où... Enfin... de la chance. Ah d'accord. J'ai une bonne nouvelle, le donjon devrait être encore long. Je savais que j'aurais dû m'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Ça va commencer à devenir un peu plus vénère là. Arrête de sauter! Alors là, cette pièce-là, légalement, bonne chance. Hein. Mais il y a trois autres trucs, je les ai jamais eus. Il y avait peut-être trois autres pouvoirs à trouver dans le jeu que j'ai pas trouvé en fait. Évidemment, évidemment. Ma clé est là, on remonte ici, voilà, c'est ça. Donc là, je peux sauter là. Restons frais. Le jeu devient plus dur là, j'ai l'impression que la difficulté a monté d'un cran là dans cet endroit là. C'est aussi que je suis un peu saturé de jouer, donc c'est pour ça que je dis qu'il faudra stopper le live à un moment donné là. Mais je sais pas si c'est le grappin ou le magnétogan l'item qu'il a fait. Ça me trouble.
Bon, on va l'avoir ici, hein, c'est obligatoire. Après avoir affronté ce mini-boss incroyable qu'on a déjà vu plusieurs fois. La lunette de carreau de téléportation. Oh non, pas un truc de téléportation là. Ah mais c'est infini. Tiens, c'est marrant qu'on change de map, la jauge de magie, regardez en haut à gauche, elle s'illumine. Marrant. C'est un bon item. Ça me rappelle les meilleurs souvenirs sur... Italio. Ma grosse tête, comme d'hab, attends. Bah parfait, je l'ai caché. C'est exactement ce que je voulais faire. Non, il n'y a rien ici. Alors, allons au tout début déjà. Vraiment? Les hitbox. Et du coup, pour revenir, je fais comment? J'imagine que c'était un autre moyen. Mais du coup, là, je suis softlock. Parce qu'il n'y a pas de truc là. Hein. Je suis softlock. Ah, faut pas que le jeu, tu commences à me faire quitter le jeu là à chaque fois que je softlock dans un machin. Alors, faut pas commencer à faire ta Book of Mudora là, je dois. Quelle bonne nouvelle. Parce qu'il aurait dû prévoir qu'on pouvait faire les nids de cette façon dont je l'ai faite en fait. Bah oui, j'aurais bien fait comme ça, hein, mais ouais, bah voilà quoi. Non, c'est ce que j'aurais fait au départ. Ça y est, ça va commencer à être des énigmes chiantes là. Après, niveau énigme, il a été très gentil à date, j'ai l'impression. Les énigmes de bloc, genre, c'est pas grand chose. C'est pas Little Duke quoi. Voilà ce que je dirais. Ah, et bah du coup, ah oui, et du coup là, je vais comme ça, d'accord, ouais, donc c'était la façon. C'était de cette façon là qu'il s'attendait à ce qu'on le passe quoi. Et merde, vous vous souvenez d'où est-ce qu'il fallait utiliser une clé? Moi non. Enfin, d'où est-ce qu'il fallait utiliser l'objet? Moi non. Là, du coup, c'est le problème, c'est que le machin... Genre... Alors moi, je me souviens pas de c'est où qu'il fallait utiliser le machin. Pas de chance, je vais juste sortir et rentrer pour sauvegarder ma position. J'entends un switch quand j'arrive dans cette map là, c'est drôle. Est-ce que quelqu'un se rappelle de où est-ce qu'il fallait aller? Quoi? La barrière s'est refermée? Finalement, il les a peut-être. Finalement, ils sont peut-être autant de la merde que dans Book of Mudora. J'ai rien dit. J'ai parlé un peu trop vite. Waouh, un truc que j'ai déjà fait. J'ai encore des élixirs. Hein. Ah non. Putain, j'ai claqué tous mes élixirs déjà. Ça passe tellement vite cette vie. Au bord. Au bord. D'ailleurs, la taxe chargée, je m'en sers même pas tellement les armes qu'on a sont bien en vrai.
Ah oui, non, c'était là, grosse tête. Bah c'est du donjon, c'est du classico classique. Là, le level design, j'ai envie de te dire, c'est pas mal ce que je vois dans, c'est pas mal ce que je vois dans un Zelda. C'est moins dur que Vincent Jouya, genre par exemple, mais ça ressemble. Ça ressemble au donjon de Vincent Jouya, je te dirais. Mais moins dur, en moins Labyrinth Land. Mais le look, ouais, le look est pas mal. Mais moi je trouve qu'il manque vraiment une map. Ça c'est un truc. Je l'avais dit dans mon bêta test qu'il manquait une map des maps de donjon. Mais bon. Il me semble que je l'avais. En tout cas j'avais dit, ah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de map. Donc bon, là il n'y a rien. Arrête de sauter tout seul! Je sais que c'est un truc du moteur, je le sais. Mais là, non. Non, non, mais ça c'est où j'ai trouvé l'item. Et j'ai l'impression que le jeu a des freezes à chaque fois que je tue quelqu'un. Ah! Bah voilà! Facile! Mais il suffisait de s'en rappeler! Par contre, ça n'utilisait pas de flèche de faire ce pouvoir-là. C'est fou. Mais c'est comme. Ouais, c'est ça, le look est cool. Bah, c'est comme j'ai dit, le jeu, ce qui est bien, c'est que au niveau des donjons, c'est que les donjons ont leur propre identité. Et ça, j'aime bien. Genre, on sent que même les énigmes et les patterns d'énigmes qu'on trouve dedans sont propres à leur donjon. Ça fait plaisir. Non, donc on est vraiment sur des bons donjons. Franchement, j'aurais très peu de choses à reprocher. Le manque de cartes. Mais à part ça. S'il te plaît, le sort. Évidemment, vous êtes un petit peu des merdes. Quoi, t'es pas encore mort? Mais vous voyez, à chaque fois, t'as l'impression que le jeu il freeze quand je tue un ennemi. T'as vu? Tu sens que le jeu s'arrête. Est-ce que c'est dû à la secousse d'écran? Non. Et il me semble que ça faisait pas ça tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me dis peut-être que le jeu est fatigué. Ou quand je me fais toucher, c'est pareil. Il se pose, genre il s'arrête. Et quand t'as plusieurs trucs comme ça peut être très chiant. Vous êtes vraiment fort, vous? Un mimique. Ouh, donc il y a encore des améliorations à faire. Fallait que je passe en bas en premier. Bah ouais, mais là. Ah non? Pas forcément. Ah, attends. Oh, par pitié! On peut te tuer? Ou me tuer moi? Non mais là c'est pas possible. Là, il y a un problème. Là le jeu, vous avez vu façon. On est d'accord que si je le redémarre.
Non, le jeu, je pense qu'il sature là. Je pense qu'il y a un truc qui sature dans le jeu là. Regarde. Ah bah là, ça freeze. Tu vois, ça fait moins d'arrêt quand je tue les ennemis là. Attends, est-ce que je peux aller par là du coup? Bien sûr que non! Ouais, ça le fait moins. Ça le fait moins. Donc j'ai vraiment l'impression qu'au plus le temps passe, au plus le jeu bouffe de la ressource à la Switch. Et sans doute aux ordinateurs un peu faibles, quoi. Donc, évidemment, je pense forcément, je suspecte évidemment fortement les shaders, hein, cette fameuse grande nouveauté, mais qui, eh bien, exige quand même d'avoir un PC qui tient la route derrière. Mais le jeu devient vraiment dur. Enfin, dur. Pas impossible. Mais il devient clairement plus difficile. Là, ça se voit. Bon, tant qu'il vient pas en bas à gauche comme... C'est pour ça qu'ils donnent les palmes dans les jeux Zelda. Sinon les endgames ressembleraient à ça. Et ce serait... On aura envie de se flinguer, quoi. Pardon? D'où tu me ramènes pas au début de la pièce, là? Ben voilà. J'ai dû ne pas tomber dans l'eau, j'ai pas dû faire attention. Au secours. Ok, on y arrive enfin. Hurrah! Oh my god! Oh, il sait disparaître! Voilà. Bon, par contre, j'ai l'impression que là, on est bien avancé. On est très pété niveau stock. Mais, niveau stuff, merci les oreilles. Ça va toi? Ah bah voilà. Je connais plus l'enfance, un grand chef et combattant. J'ai peur que sa quête du cœur de la mer ne le pousse à faire quelque chose de dangereux ou stupide. Eh oui. Ah là là, c'est fou. Est-ce qu'on va sauver Barbe Noire et on va affronter finalement le roi des mers, le fantôme? Ah là là. Bien. Bah ben voilà. We succeed. Ok, bah de toute façon je vais arrêter là. Enfin... Hop là. Donc c'est pas des magnétogans, mais finalement on est sur quelque chose de très bien aussi parce que c'est totalement original comme objet. Donc là, on va commencer à arriver sur des trucs de... J'avais plus d'idée où le mettre, donc je te le fous là. Hein, parce qu'il m'en reste encore quand même 7 à avoir. Donc... Mais en vrai, pourquoi j'ai voulu l'avoir alors que je pouvais juste faire un saut? Le cerveau. C'est compliqué le cerveau parfois, vous savez. Bon! On va retourner à... Donc ma question, c'est est-ce que... C'est pas là. Où est-elle? Où est le... Oh, où est le fast travel par pitié? Où est-il le fast travel par pitié? Il est où? Pourquoi je peux pas rentrer là-dedans? Donc j'imagine que... Là, on va voir c'est où le truc des mers. Le truc des tempêtes, pardon. Oh, il pleut sur la carte! Ah d'accord, c'est caché par ma grosse tête. Elle est là, l'île des tempêtes.
Ah mais il n'y a pas l'air d'avoir de façon exceptionnelle d'y aller. Moi je pensais que c'était à gauche des falaises de marbre, mais finalement pas du tout. Donc l'île des tempêtes, on va pas y aller tout de suite. Parce que jume la fin du jeu potentiel là-bas. Donc on va pas y aller tout de suite. Alors c'est vrai que dans cette ville-là, il n'y a pas de forge. Donc juste aller améliorer mon arc 10 fois. Traverse-moi! 2 fois! Ah, c'est une très belle que vous avez là. Bon. Ah bah d'accord. Attends, j'en ai un de trop du coup de machin. J'ai un corail qui sert à rien? Ah non, j'en ai plus aucun. Ah non, donc il dit que l'upgrade, que c'est fait au maximum. Donc j'ai tout. J'ai toutes les armes. Voilà, l'arc est à 15, l'épée est à 12. C'est terrifiant. C'est très puissant. Bon bah voilà, c'est terminé. On va en rester là. Merci à Lady d'avoir été là tout du long du stream, hein, bravo. Et merci aux autres qui étaient là, qui sont passés. Voilà. C'était bien. On a bientôt terminé. Je pense que la prochaine fois, la semaine prochaine, ça va être la fin du jeu. Du coup, l'île des tempêtes, ça va être la fin. Mais je vais d'abord aller à gauche de port de chêne, de port chêne là. Voir qu'est-ce qu'il y a à gauche parce que ça prenait le grappin. Et il y a d'autres énigmes auxquelles j'aimerais bien répondre. Donc je pense que je vais refaire une passe sur la world map pour voir un petit peu les endroits que j'aurais pu louper, les trucs comme ça. Et il y a aussi un repère de pirate qui est bah, au niveau du fort du corbeau, là, ou entre les... Non, en haut de tête d'Épicéa, là, au milieu, il y a un truc de pirate et je sais pas comment tu rentres dedans. Donc, peut-être m'en occuper aussi. Et peut-être qu'on va trouver notre pépin à l'île des tempêtes. Ce serait fou. Bon, ben voilà, c'est tout.